Monsieur le député, monsieur le vice-président du syndicat général des vignerons, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette assemblée générale du groupe des jeunes vignerons de la Champagne. Nous nous retrouvons cette année exceptionnellement cette salle Wogner de Vertu, suite à des contraintes de planning pour notre traditionnelle salle panoramique de chez TEVC. Les années passent très vite. Nous voilà déjà à la fin de cette mandature 2022-2024 et à l'aube d'une nouvelle mandature. Cette année a encore été riche en animation et réflexion que vous découvrirez à travers le rapport d'activité. Dernièrement, lors de nos assemblées régionales, nous avons été agréablement surpris de l'engouement des jeunes à intégrer notre groupe. Est-ce pour les animations ou pour nourrir la réflexion? Peu importe, l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas la seule finalité, mais rappelons que le groupe des jeunes est une véritable école de formation. Le groupe a vocation à former les futurs responsables syndicaux, futurs acteurs de la Champagne. En tant que président, il est de mon devoir de m'assurer que les jeunes soient au fait de toutes les actualités qui animent notre filière. Nous essayons de mûrir nos réflexions en prenant de la hauteur sans se laisser emporter sur la surréaction. Car c'est bien nous, demain, qui devrons prendre les décisions au syndicat général des vignerons, dans les sections locales, les coopératives et les diverses institutions champenoises. Le statut et la reconnaissance du groupe des jeunes nous ouvrent des portes pour faire de belles rencontres lors de nos formations et séminaires. Notre devoir est d'entretenir cette reconnaissance et de rester pertinent. Ces quelques mots me semblent importants, compte tenu des messages que nous souhaitons faire passer aujourd'hui. Cette matinée sera rythmée en deux temps. Nous commencerons par notre rapport d'activité, afin de vous faire partager notre année au groupe des jeunes. Ensuite, nous entrerons, ou plutôt, nous irons en 2050 avec différentes visions d'avenir, qui nous amènent réflexion et recul pour le fonctionnement de notre filière. Je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale et laisse la parole à Noé pour vous présenter notre rapport d'activité. Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons par l'activité la plus visible du groupe des jeunes, nous réunir et échanger. L'un des buts du groupe des jeunes est en effet d'informer ses membres et de débattre entre nous pour faire émerger une position majoritaire des jeunes sur les sujets d'actualité et les porter via nos deux représentants chez nos aînés au syndicat. Cette année, nous nous sommes donc réunis à 6 reprises en bureau et également 6 fois en conseil d'administration. 5 d'entre eux se sont déroulés dans les locaux du syndicat à Épernay, mais dans un souci de rendre plus accessibles les conseils d'administration à certains de nos membres, cette année, nous avons continué de décentraliser un conseil, et cette fois-ci, il a eu lieu à Mailly-Champagne, où nous avons été très bien accueillis par la coopérative Mailly Grand Cru. Un grand merci à eux. Et pour pouvoir nous réunir entre élus, il faut l'avoir été, élu. Statutairement, le conseil d'administration du groupe des jeunes est renouvelé de moitié tous les 2 ans, et cette année était une année élective. Nous avons de ce fait organisé 6 assemblées régionales, une par grand secteur viticole de la Champagne, pour présenter les actions du groupe des jeunes et voter pour élire nos nouveaux administrateurs. Ce sont donc 19 administrateurs sortants qui ont été reconduits pour un nouveau mandat et 25 nouveaux jeunes administrateurs que nous avons eu le plaisir d'accueillir pour leur premier conseil d'administration il y a 2 semaines. L'élection du nouveau bureau aura lieu quant à elle lors du prochain conseil d'administration au mois d'avril. Être élu implique des responsabilités syndicales. Une partie de nos administrateurs siège dans les commissions du syndicat aux côtés de nos aînés, et les jeunes sont conviés à participer aux commissions de suivi des conditions de production.
Notre président a aussi un rôle de représentant politique. Depuis la remise en place du Conseil interprofessionnel, il y siège. Et cette année, Guillaume était également présent sur la foire de Chalon aux côtés de Maxime Toubard pour rencontrer les politiques. Quelques représentants du groupe des jeunes ont aussi été consultés pour nourrir les réflexions des élus aînés lorsque le syndicat a constitué un groupe de travail sur les conditions des vendanges. Mais le groupe des jeunes permet aussi à ses membres de rencontrer d'autres acteurs de notre filière. Ce sont parfois des rendez-vous annuels que l'on retrouve chaque fois avec plaisir, comme la dégustation des vins clairs chez la maison Moumperier-Jouette, ou la rencontre avec David Ménival, du Crédit Agricole, pour nous parler de l'économie et de la santé de notre filière. Mais ce sont aussi des intervenants qui viennent lors des bureaux et des conseils d'administration, comme cette année, les équipes du syndicat pour les dossiers d'actualité politique et syndicale, ainsi que le foncier. Gauthier Vatel, venu nous présenter TEVC Avenir, le groupe des jeunes de TEVC dont il est le président. La présentation des missions de l'EDAC par son directeur Jean-Philippe Bocahut. Une rencontre avec le service de remplacement de la Marne. Et nous nous sommes déplacés à plusieurs occasions. Une visite de la distillerie Bonvalet à Pierry, une visite du négoce Bilcar Salmon à Haï-Champagne et une dégustation de vin clair chez TEVC. Et parfois, les acteurs rencontrés sont un peu plus lointains, puisque cette année, notre président Guillaume et notre vice-présidente Marie-Pierre ont pu mener deux missions de lobbying. Ils sont allés rencontrer la Commission européenne de l'environnement à Bruxelles pour porter la voix du groupe des jeunes sur le projet SURE. Et dans le cadre d'une action de lobbying organisée par le syndicat, ils ont rencontré des parlementaires et sénateurs français lors d'un dîner en marge de Wine Paris pour évoquer les attentes du groupe des jeunes envers nos représentants politiques. En parlant de lieux lointains, traditionnellement, le groupe des jeunes organise chaque année un voyage d'études dans une autre région viticole, en France ou à l'étranger. Cette année, le projet de voyage avait pour destination l'Angleterre, mais il a malheureusement été annulé faute de participants. Et cette année, une nouvelle équipe sera formée et de nouveaux projets verront le jour. Mais l'année dernière, nous vous avions annoncé la volonté de créer trois groupes de travail autour des thématiques jugées prioritaires et qui étaient respectivement la technique, la communication et capacité professionnelle et formation. Le groupe communication est celui qui a le plus avancé à ce jour et nous aimerions vous en parler un peu plus en détail. Pour cela, je fais appel à Benjamin Mulot. Alors merci à toi Noé, ou est-ce que je dois t'appeler Néo au vu du thème de notre Assemblée Générale de cette année ? Pour ceux qui auront la référence. Merci pour ce beau rapport d'activité qui résume très bien la vie du groupe des jeunes. Bonjour à toutes celles et tous ceux que je n'ai pas encore eu le temps de saluer. Alors effectivement, nous avions décidé il y a un peu plus d'un an de créer un groupe de travail sur la communication que je vais vous détailler tout de suite. Avant toute chose, je me devais quand même de féliciter le syndicat général des vignerons via ses salariés, ses membres de commission et les agences extérieures pour leur travail sur la belle campagne de com' développée depuis plusieurs années et mettant en avant à la fois la diversité des champagnes de vignerons, mais aussi le côté unique de chaque cuvée. Bon, j'espère que vous avez déjà toutes vu, ou tous vu des affiches, si jamais il y en a une belle juste ici. Alors nous, au groupe des jeunes, notre réflexion a été quelque peu différente. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, notre travail de vigneron ne faisait plus rêver. En résultent notamment les problèmes de main-d'œuvre que vous rencontrez, j'en suis sûr, toutes et tous au quotidien. Ainsi, comment attirer de nouvelles générations, ou même des personnes en reconversion, vers notre si beau métier ? La résultante a donc été de développer des vidéos expliquant la complexité, la polyvalence, mais surtout la passion qui nous anime au sein de nos exploitations. Nous avons ainsi décidé de construire une trentaine de vidéos axées sur les différentes facettes du métier de vigneron, que ce soit dans les vignes, en cave, au bureau, au magasin, en réunion, en assemblée générale aussi. L'idée étant de mettre en avant la pluralité de notre métier actuel, tout en gardant un côté jeune et donc un peu plus décontracté. Pour nous accompagner dans ce défi, nous avons réalisé un appel d'offres, et après plusieurs rendez-vous, nous avons décidé de travailler en collaboration avec GEC, qui nous accompagnera tout au long de ce projet. Merci à eux pour leur confiance et l'intérêt porté à cette initiative du groupe des jeunes. J'en profite également pour remercier nos aînés, qui, malgré quelques appréhensions à la présentation du projet,
ont finalement décidé de nous accompagner financièrement afin d'atteindre nos objectifs. Ces vidéos sortiront donc sur les réseaux sociaux à rythme régulier durant, nous l'espérons, l'année 2025 ou 2026 et permettra au public de suivre progressivement le rythme de vie d'une jeune ou d'un jeune vigneron champenois. Le format sera relativement court, pas plus d'une minute, pour être sûr d'avoir un niveau de captation optimal de l'auditeur. Et sera donc distribué sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou TikTok. Alors désolé pour nos plus anciens utilisateurs d'Internet, le site Copain d'Avant n'est pas prévu dans les cibles. Enfin, même si ce n'est pas l'objectif premier du projet, ces vidéos permettront également de mettre en avant l'humain derrière nos bouteilles de champagne. Nous allons donc nous atteler à cette tâche durant l'année afin de créer des vidéos qui nous ressemblent et qui permettront à nos cibles de comprendre un peu plus notre métier, parfois peut-être trop méconnu du grand public. Merci de votre attention et je vous souhaite une belle AG à tous. Merci Noé, merci Benjamin. Donc pour cette présentation de notre rapport d'activité et également de ce nouveau projet communication qu'on espère qui va bien se développer avec une équipe très motivée. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant passer au thème de notre AG, quel vigneron en 2050 ? Donc beaucoup de travail, beaucoup de réflexion que mon équipe maintenant va vous présenter. Donc j'appelle Marie-Pierre, Quentin, Thomas, Romain, Clément et Hugo à nous rejoindre sur scène. À toutes et à tous. Alors, merci à vous d'avoir fait le déplacement, merci à vous d'être venus si nombreux. Alors, comme vous le savez, mettre en place une assemblée générale au groupe des jeunes, c'est pas une mince affaire. La première question, on va parler de quoi ? Le thème. Et là, on débat, on est d'accord, pas d'accord. Et aujourd'hui, le constat premier qui nous est apparu, c'est finalement... Quel vigneron sommes-nous aujourd'hui ? C'est quand même pas si simple, même si ça paraît évident. Savoir bien tailler, savoir faire du bon vin, eh bien ça suffit plus. Alors, on a commencé à travailler, à creuser, et en est arrivée cette question, quel vigneron en 2050 ? Alors avant de se projeter loin, on s'est dit, on va finalement poser la question à nos anciens, et quelle était leur vision d'avenir si on vient chercher dans le passé ? Écoutons-les. À l'époque, on était en train de gérer la crise de 92, qui était quand même un problème grave. Les années 80, fin des années 80, tout s'était envolé. Le prix du kilo, tout, le prix des vignes, le prix de tout ça. Et tout d'un coup, ça s'est écroulé. Et en 92, on s'est retrouvé avec une problématique de baisse de prix du kilo, de baisse de niveau d'appellation. Et à l'époque, on avait même manifesté une manifestation devant le CVC le jour de la négociation des prix. Et je peux faire pression sur le syndicat aîné et aussi sur la négoce pour qu'ils ne descendent pas la circulation trop bas et faire disparaître les exploitations. Sinon, on avait aussi on était à la fin de la période des déplantations. Pour moi, la problématique majeure, c'était la formation des hommes. Il n'existait rien. Il y avait les aînés, le syndicat et ses aînés, qui géraient la Champagne, dans l'interprofession. Et puis à côté, mais les jeunes, il n'y en avait pas. Ils n'existaient pas, puis je crois qu'ils ne voulaient pas non plus. C'est qu'on a arrêté là en 74 sur des gros volumes, puis on a repris en 77, 78, 79, dans ces années-là. Okay. On a arrêté au moins 3-4 ans de planter. Et économiquement, c'était la sinistrose. Hein.
le commerce, il avait baissé de moitié. Les maisons de négoce, elles étaient plutôt dans l'acceptation de la situation, ou est-ce qu'il y avait des actions qui étaient... Oui, elles attendaient. Elles attendaient que ça reparte. Okay. Ça, souvent, tu sais, les crises. Hein. Ils attendent que ça reparte. À mon avis, ils ont les moyens. Quand on a les moyens, on peut attendre. Quand on les a pas, ben... Si je veux dire pour les jeunes, c'était la capacité professionnelle qu'on a toujours entendu parler, qu'on a toujours essayé de mettre en place, qu'on n'est jamais arrivé. D'ailleurs, ça a fini par faire une semaine de formation pour les nouveaux entrants, mais voilà, c'était pour nous encore pas assez. C'était le début, c'était le tout début du cheminement, on va dire. Après, sur les dossiers vraiment gros syndicaux, les syndicalement vraiment, là on était plus sur, on était surtout sur les droits de plantation. Où là, on a monté plusieurs faux créneaux avec le syndicat. On était invité à Strasbourg, à Bruxelles, parce que c'était le moment où il fallait redéfendre nos droits de plantation, qu'on a eu à nouveau, d'ailleurs. Mais jusqu'à quand? C'est toujours l'éternelle question, puisque c'est reparti pour X années, et puis après, on rebat les cartes à chaque coup. Alors qu'on aimerait bien que ça soit figé. on avait aussi, c'était l'un de nos débats en disant ça serait peut-être bien qu'on mette le prix à la qualité en face des raisins. Ça, c'était quelque chose aussi qu'on débattait pas mal. Ça et la capacité professionnelle. Grande question de se dire qu'est-ce qu'un raisin plus qualitatif. Ah, qu'est-ce que. Mais ça, on en a débattu pendant des heures et des heures. Ça commençait déjà à bouger, quoi. Avec des certifications, on ne parlait pas encore de VDC et de HVE, mais ça commençait à rentrer dans les tuyaux. Je le voyais comme aujourd'hui, moins l'environnement. Parce que l'environnement, on était un peu dans tous les sens. Hein. Désherbant, pas désherbant, truc. Oui, on aurait pu en faire plus, mais comme à chaque fois, quand c'est la politique qui s'en mêle. Donc, oui, on était une vision d'extension, mais peut-être pas à ce point-là. Parce que le vignoble, il s'est développé petitement par rapport au négoce dans les 20 ans. Le négoce était bien plus vite. Hein. Je dois te dire qu'aujourd'hui, elle est bien équilibrée. À condition que les plantations soient gérées par une loi. Mais ce qui est dans les tuyaux. Aujourd'hui, ça va être comme ça. Si c'est pas ça, faut pas le faire. Moi, je suis sérieux, hein. faut pas le faire, ça va t'accaparer. Le négoce, il va tout prendre. Je les connais, je sais comment ils font. Hein. Puis c'est normal, c'est leur métier. Ben, j'espérais qu'on essaye de former des gens pour qu'ils aient un esprit beaucoup plus libre. Et le vignoble aussi plus libre. Parce que je trouve que maintenant, depuis notre époque, la part des... Le pouvoir des maisons de champagne, je pense, a augmenté. À l'époque, on avait la double casquette coopération et un canton manipulant qui fonctionnait pas trop mal pour faire un bon contre-pied. Et aussi un syndicat qui a perdu beaucoup de ses prérogatives. C'est pas de la faute du syndicat, c'est la faute aussi des évolutions réglementaires hein, qui font que y a moins de choses qui se décident en Champagne et plus de choses qui se décident ailleurs, que ce soit en Europe ou à Paris. Ou... Mais à l'époque, ils étaient vraiment capables de tout. Non, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Bon. Je trouve qu'on est vachement en retard par rapport à ce que j'espère. Que tout le monde allait évoluer vers ce mode-là et allait prendre conscience de... Je veux dire, parce qu'à l'époque, on est juste d'abandonner les gâteaux. Il faut voir d'où on est. Déjà, quand le premier effort, ça a été d'arrêter de désherber les forêts, hein, puis, on rêve. Bon, ça a bien marché, hein, c'était super, mais je veux dire... On avançait petit peu par petit peu. Avant, on désherbait même les chemins parce qu'il fallait que ce soit propre. On avait fait justement Champagne 2030, une assemblée générale sur Champagne 2030. Est-ce que demain on aura plus de bio? Mais pour faire plus de bio, il faudrait peut-être alléger les règles parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à y aller, mais c'était tellement contraignant que peut-être aurait fallu alléger les règles. Donc on avait fait une assemblée générale là-dessus. La prime à la qualité. Qui était ressorti quand même pas mal. Et là, on avait dit, peut-être que là-dessus, autant peut-être sur la machine à vendanger, on n'a peut-être pas les moyens, parce que le but du jeu,
c'est bien beau de se voir dans 20 ans, mais après, qu'est-ce qu'il est faisable de faire? Donc nous, on avait dit, ben voilà, peut-être que la prime à la qualité, voyant qu'il y avait quelques unités de coop ou quelques maisons qui commençaient à en parler, il y avait peut-être moyen de le mettre en place finalement. Oui, on avait imaginé, peut-être quoi. Alors, on l'avait imaginé, mais on ne l'avait pas chiffré, mais on avait imaginé, ben oui, peut-être qu'en 2030, on aura une machine à vendanger. De mémoire, on ne l'espérait pas, je crois. De mémoire, ça ne me dit rien. On n'était pas beaucoup à la vouloir. On a bien évolué en termes environnementaux quand même, parce que on voit le vignoble qui est de plus en plus vert, donc il ne faut pas se le cacher quand même, c'est bien. Personnellement, je donne mon avis, je regrette qu'on ait fait marche arrière sur le zéro herbicide, mais ça c'est mon avis personnel. Et puis par contre, sur un dossier qu'on n'a pas beaucoup avancé, c'est la capacité professionnelle. Quand on veut ouvrir un salon d'esthétique ou un salon de coiffure, ben, il faut un bac pro, un CAP. Et moi, ma femme, elle est esthéticienne, donc je sais de quoi je parle. Et donc, pour ouvrir son salon, il fallait qu'elle ait un bac pro. Mais voilà. Et pourquoi que nous, en Champagne, vu que je suis propriétaire, j'ai le droit d'être vigneron. Mais je les donne à faire, je les fais pas parce que je sais pas les faire. Là, il y a un sérieux problème là-dessus, quoi. J'en sais rien. Il ira beaucoup moins au vin que maintenant. On y va déjà moins. Surtout si on fait du commerce. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a déjà plein de... Tout ce qui est certification, tout ça. Et plus le commerce, quand on vend soi-même, c'est énormément de temps à passer. Et je parle même pas des réseaux sociaux et encore plus et tout ça et tout ça. Alors, il ira moins au vin aussi parce que... Et heureusement, le travail va être allégé. Ben, heureusement, je pense que d'ici 20 ou 30 ans, on aura un machin en bas et pour le conduira du bas ou du haut. Et heureusement, déjà pour la santé du gars et la pénibilité du travail, ça, je pense qu'on aura plus en plus du matériel high-tech, je dirais. Ça, je pense. Voilà, il faut que nous, on garde la main sur la cam, quoi. Il faut qu'on garde la main sur la production. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et puis, ben, à la rigueur, il faudrait qu'on se remette à plus manipuler. Mais ça, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, j'y crois pas trop. Pour moi, il y aura une champagne à trois vitesses. Il y aura une champagne de marque. Il y aura une champagne de vignerons qui produisent des raisins et qui vendent les raisins. Et il y aura une champagne de vignerons RM qui seront partis dans des champagnes très spéciaux, très spécifiques, avec des goûts, avec des vinifications poussées, bio, pas bio, fût, tu vois ce que je veux dire, hein. Voilà, des choses un petit peu particulières, ou des 100% meunier, ou des blancs, ou des... Bon, avec des typicités. Et cette troisième champagne, elle sera partie sur des marchés bien spécifiques, cavistes, restaurants, export. Ça commence déjà, hein, de toute façon. Et je crains que la clientèle particulière qui venait chercher ces 12 ou 18 bouteilles tous les ans chez le vigneron à 17 ou 18 euros, ça sera fini. D'ici 15 ou 20 ans, c'est mon avis, je me gourre peut-être, il n'aura plus le choix qu'acheter du champagne en grande surface. Quand je dis valorisant, ce n'est pas forcément les sous, hein. C'est valorisant pour notre métier. Moi, je suis passé en bio, qu'est-ce que je suis déçu de mes vieux clients, quoi. Ouais, c'est comme d'habitude, c'est du champagne. Bah, je suis désolé, mais je me suis décarcassé quand même à passer en bio. C'est pas le boulot le plus simple, surtout chez nous en Champagne. Et donc on se dit, ben on va aller peut-être chercher des marchés où les gens, au moins, ils comprennent ce qu'on fait. Et quand la personne leur revoit, elle dit, voilà, ce gars-là, je le connais, j'ai été le voir, il bosse bien. J'ai été visiter sa cuverie, son truc, son machin. C'est super, c'est un bon gars. C'est, voilà, derrière la bouteille, vous avez un mec. Ouais, là, j'ai vu que c'était une bonne question. Trop vieux pour l'imaginer. Non, je vais quand même essayer de répondre. Non, mais moi, c'est vrai que je suis plus en position. Je veux surtout pas me projeter à leur place. Je suis pas d'accord. J'ai jamais été pour la baisse des coûts de revient. Je trouve que ça, c'est un faux. Il faut se préoccuper de l'autre. C'est à l'autre bout qu'il faut travailler. C'est dans le prix de vente qu'il faut travailler. Dans la qualité, dans tout ce qu'on peut apporter. La qualité, ça veut pas dire grand-chose, mais. C'est faire la voix, se dire après on sera comme
comme en Australie ou en Californie, autant aller planter des vignes en Australie ou les planter dans la plaine ici, puis les écarter, puis faire du mousseux. Je pense qu'on a la chance d'avoir une appellation, et c'est ça les devoirs, c'est pas vouloir forcément mécaniser. Non, mais je veux dire, faut peut-être. La solution, c'est pas de mécaniser, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Non, moi, la vendange mécanique, pour ceux qui savent pas vendanger, c'est peut-être bien. Non, mais moi, le jour où il y aura un vendange, je serais content, je pourrais dire que moi, je vendange la main. C'est débile, mais moi, je voudrais que tout le monde soit content de vendanger la main. Après, le variétal et tout ça, ouais. Non, mais moi, j'ai peur qu'on y perde notre âme. Ça, c'est peut-être un réflexe d'un mec à 60 ans. C'est peut-être une conne. Il y a peut-être déjà d'autres pistes à explorer avant. Parce que quand même, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le variétal, c'est uniquement pour ne pas mettre de produits. Hein. Il n'y a rien pour l'instant pour le réchauffement climatique, ben, tous ces enjeux-là. C'est un peu comme quand il y avait les OGM, hein, c'est pour pouvoir passer des rondes dessus, ben, sans que le machin crève. Bon. La Champagne en 2050, ou le vigneron en 2050, pour vous, est-ce que c'est un vigneron qui va continuer à vendre du champagne à 12 degrés? Un peu non. Ben, déjà maintenant, on ne vend plus de champagne à 12 degrés. On est embêté avec les traces et tout le bazar. Est-ce que c'est un lion qui fera du champagne à 8 ou à 0 degrés? J'espère que vous pensez que ça s'appellera plus champagne. Le champagne sans alcool. Ah non, vous pensez, non. C'est l'appellation, c'est l'alcool. Pas écouter les hygiénistes. Non, mais il y a les Australiens, les Américains pour faire ça. Mais laissez faire. Les Chinois, on sait rien. Non, je pense qu'il faut quand même revendiquer notre produit. Il ne faut pas se laisser. Non, surtout pour 2050, faut essayer, ben, pour en ce moment, il faut aussi garder ne pas perdre notre âme. Alors là, si on met pas support collectif pour le monde entier, ça ne marchera jamais. Si, ça marchera comme aujourd'hui. Il n'y aura pas de développement. Et comme le négoce ne veut pas que les vignerons, les copes aillent sur leur terrain étranger, et je trouve qu'en 2-3 ans, on a fait de sacrés progrès. Alors, moi, j'envoyais quelques-uns qui labouraient, maintenant j'en vois quelques-uns qui labourent plus. Ça a quand même changé. Hein. Pour nous, l'Europe, elle est indispensable. Certains agris disent le contraire, mais pour les migrants, c'est indispensable. On peut faire du commerce dans toute l'Europe sans avoir les emmerdements administratifs. Il y en a moins que les autres. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai dit toujours, les droits de plantation, mais je ne suis pas le seul à dire ça, hein, maîtrise totale de la Champagne. Totale. Il ne faut pas laisser l'Europe ou je ne sais pas qui prendre une décision pour nous. Hein, on sait où ça mène. Mot de la fin? Vive la Champagne, vive le Champagne, et nous sommes les acteurs de la Champagne, et c'est à nous de tout faire pour que ça aille bien. Voilà. Le mot de la fin, c'est que on est dans une super région. On a la chance, on est les vignerons les plus gâtés du monde. Il faut le savoir, il ne faut pas trop cracher dans la soupe. Même s'il faut toujours être vigilant. Un mot de la fin. Moi, je souhaite qu'en Champagne, tout le monde s'en tire et se porte bien. Si on ne sait pas faire d'excès, ça va marcher. C'est les excès qui tuent. Alors, merci à nos anciens présidents du groupe des jeunes pour ceux qui ne les auraient pas reconnus. Et maintenant, nous allons faire appel à Quentin, qui cette fois-ci va pouvoir nous partager cette fameuse vision du vigneron d'aujourd'hui. Merci Marie-Pierre. Bonjour à tous. Pour être vigneron,
Avant, il suffisait de maîtriser les bases du métier et du commerce. Maintenant, le vigneron peut être considéré comme un agriculteur spécialisé dans les vignes et la production de vin. Il cultive et s'occupe continuellement de ses vignes pour assurer des productions viticoles de qualité. Son but est de construire et de développer à l'international la réputation de ses vins. Il évolue sur un marché qui peut s'avérer fragile. En plus de tout ça, le vigneron doit savoir gérer de nombreuses choses, en commençant par l'administratif, de plus en plus présent dans notre métier. Sans compter les nouveaux langages que nous devons apprendre. Je pense notamment TESA, DRM, et encore mieux que DRM, IDRM. Ça mot compte triple. La notion de comptabilité est inévitable. Les questions de transmission et la fiscalité engendrent des montages de sociétés complexes. Pour exécuter l'ensemble de ces tâches, le vigneron s'entoure de personnel. Le vigneron doit alors enfiler sa cape de juriste et de RH. Nous savons tous à quel point il est compliqué de trouver de la main-d'œuvre et encore plus de la fidéliser. Les travaux mécaniques sont de plus en plus présents également. Je pense notamment au développement du travail des sols. Les fenêtres de tir pour intervenir sont de plus en plus courtes selon les années et les pannes sont parfois fréquentes. Pas de panique, heureusement que le vigneron est mécanicien. Les vignerons sont également en charge de la commercialisation de leurs produits. Après avoir repris, ou bien même créé sa marque de champagne, il devient alors commercial avec de grandes connaissances en marketing. Lorsqu'il a pris connaissance des multiples situations géopolitiques, il sait cibler ses marchés, à quel prix, le tout en anglais, sinon c'est pas drôle. Certains vignerons préfèrent mener des salons dans toute la France avec le sourire. Une fois rentrés sur l'exploitation, ils doivent ainsi animer des rencontres, des dégustations, des visites, et parfois même, ils ouvrent des chambres d'hôtes. Une fois que les journées sont passées, après avoir su gérer d'une main de maître toute l'organisation professionnelle, le vigneron doit savoir prendre du temps pour lui-même et sa famille. De moins en moins de conjoints travaillent sur l'exploitation, induisant une nouvelle répartition des tâches familiales. Je vais maintenant aborder le contexte dans lequel nous évoluons. La viticulture française est en difficulté. Mais pour autant, la Champagne tire son épingle du jeu. En 2023, avec 299 millions de bouteilles écoulées, accompagnées par une économie mondiale en croissance. L'Union européenne vient d'amorcer un plan avec plus de contraintes environnementales. Elle demande plus de traçabilité et moins d'intrants. Les pouvoirs publics poussent vers plus de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Dans les attentes sociales et sociétales, plus de communication et de transparence ne serait pas de trop. L'amélioration de la santé par une alimentation plus saine est recherchée également. Pour ce qui est de la filière et des acteurs, la législation des vins, modelée par la loi E20, limite les communications. La législation de plus en plus rude, je pense notamment aux nouvelles règles d'étiquetage et aux discussions en cours sur de nouvelles mentions sanitaires. Le circuit court, lui, reste fidèle. Il y a une consommation pétillante de champagne en champagne. Au sujet du climat, le dérèglement augmente considérablement les aléas de production et de qualité de nos raisins. Les pratiques viti et eno sont strictement encadrées par le cahier des charges. Tous les viticulteurs ne vinifient pas et le nombre de manipulants continue de baisser. Nous avons une interprofession forte. La Champagne reste leader en recherche et développement, grâce notamment
au comité champagne avec le domaine Plumecoq, qui permet différents tests agronomiques et mécaniques innovants, ainsi que l'arrivée du Voltis depuis maintenant un an. Les transmissions restent difficiles et onéreuses. Les acteurs de la filière ont un niveau de formation hétérogène. Et au sujet des marchés mondiaux, on constate que le vin est en baisse, contrairement aux vins effervescents qui sont à la hausse. Les marchés à l'export sont ouverts et en croissance, tirés par les grandes maisons qui percent les marchés, tandis que les Français s'offrent moins en moins de champagne. Merci de votre écoute. Merci Quentin, tu as posé le décor, bon décor que vous connaissez toutes et tous. Alors maintenant, ça y est, c'est parti, on vous propose de sauter et d'arriver en 2050. En effet, pour le thème de cette Assemblée Générale, nous avons réalisé un véritable travail de prospective. Alors, ce travail de prospective, on ne l'a pas fait par hasard. On s'est appuyé sur un travail réalisé par France Agrimaire. On a été notamment guidé, accompagné par Monsieur Anin. La prospective, c'est un métier. Donc, avant de vous présenter quatre différents scénarios où on va pouvoir tout imaginer, du meilleur jusqu'au pire, voici quelques mots de la part de Monsieur Anin. Bonjour, je suis Hervé Anin, ingénieur de recherche et directeur du développement à l'Institut Agro Montpellier, à l'Institut des hautes études de la vigne et du vin et directeur de la chaire d'entreprise vigne et vin dans ce même institut agro Montpellier. Je suis ingénieur agronome, agroéconomiste et depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, spécialisé dans des travaux de prospective que je conduis régulièrement dans la filière vigne-vin et notamment avec les collègues prospectivistes également de France Agrimaire. En particulier mes collègues Françoise Brugière et Patrick Aigrin. Alors, je vais d'abord remercier chaleureusement le groupe des jeunes, le syndicat des vignerons, général des vignerons de Champagne, en particulier Thomas Siré, pour m'avoir invité. Malheureusement, je ne pourrai pas participer à cette Assemblée Générale, mais je vous prie de vouloir m'en excuser. Mais finalement, ça nous a permis de beaucoup échanger avec Thomas et à travers lui avec ce groupe des jeunes pour essayer de tirer au mieux parti d'un travail de prospective des plus récents que l'on a conduit entre France Agrimaire et l'Institut Agro Montpellier, qui porte sur la vigne et le vin à l'horizon 2040-2045. Alors je rappelle juste que la prospective n'est pas la prévision, ni même une façon de deviner l'avenir, ce qui serait sans doute très ambitieux et en tout cas en dehors de nos portées. La prospective, c'est véritablement en réalité une façon d'imaginer des avenirs possibles, des futurs possibles, ce qui permet de travailler collectivement à anticiper ces avenirs possibles et à ne pas se trouver démunis. On sait que la filière vigne-vin en particulier a une capacité parfois à voir bien l'avenir, mais parfois aussi à se laisser surprendre. Et quand on regarde avec le recul, on se dit que on s'est fait surprendre par exemple par la loi Evin, alors qu'on aurait peut-être pu imaginer qu'un jour ou l'autre, des campagnes hygiénistes ou des mesures viendraient à viser le vin de par son contenu en alcool, des choses comme ça. En tout cas, voilà, l'idée de la prospective, c'est véritablement d'imaginer des futurs possibles, qu'on appelle des scénarios, et de se mettre en ordre de marche collectivement. Et c'est tout à l'honneur de ce groupe des jeunes de s'être saisi des scénarios que nous avons proposés, donc des quatre grands scénarios que nous avons proposés, et d'imaginer ce que ça voudrait dire pour la Champagne viticole, et d'imaginer même encore plus avant quelles pourraient être les bonnes attitudes stratégiques que l'on pourrait, que le syndicat pourrait recommander.
recommander donc à l'ensemble des vignerons, et ça, je pense que ça sera le rôle du groupe des jeunes dans son assemblée générale, de pouvoir donner bonne conscience aux jeunes vignerons et finalement aussi à l'ensemble du syndicat sur les enjeux, sur les conséquences de ces scénarios. Et le travail préalable qu'ils ont mené, je veux dire, est remarquable. Remarquable au sens où il y a un véritable travail collectif qui a été conduit, une véritable prise de conscience et donc une capacité réelle, mieux que probablement finalement on aurait pu le faire si j'avais participé à la manière d'un conférencier, parce qu'il s'agit véritablement d'une appropriation collective à laquelle ils se sont livrés. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire si on veut anticiper l'avenir, c'est-à-dire réagir à ces scénarios, mais réagir de façon anticipée. Parce que quand on réagit, quand les choses arrivent, en général, c'est trop tard. Donc la prospective, c'est déjà entrevoir des scénarios possibles de façon à anticiper les enjeux, les conséquences, et finalement trouver en avance des leviers d'action. Mais encore plus que la réactivité, la prospective a une capacité de pouvoir générer de la proactivité. La proactivité, c'est véritablement prendre son avenir en main en se donnant tous les moyens de faire émerger finalement des scénarios souhaitables ou, à contrario, d'éviter des scénarios qui, au contraire, sont redoutables. Donc, on le voit, le travail qui a été conduit là par le groupe des jeunes a toutes les vertus à la fois de prise de conscience, de travail de fond sur les différents enjeux et conséquences, en termes de contexte, d'économie, d'image, des consommateurs, et une véritable réflexion qui a été conduite, encore une fois qui est remarquable, qui invite, qui débouche sur des attitudes stratégiques, de la proactivité, de la réactivité, et il ne reste ensuite qu'à partager tout ça sur le plan collectif et imaginer des leviers d'action. La prospective, c'est d'abord une façon de faire émerger des marges de manœuvre pour l'action. Et en ce sens-là, je dois féliciter une nouvelle fois le travail collectif qui a été conduit. Je veux dire que c'est rare qu'en autonomie, que j'ai eu l'occasion de faire un accompagnement finalement présent, mais en tout cas assez lointain, et en tout cas par visioconférence, c'est la première fois que, je dois dire, on a, avec une telle autonomie et une telle maturité, un groupe de vignerons qui est capable de prendre en charge ces scénarios et d'en tirer une telle réflexion. Donc d'abord un grand bravo à ce groupe des animateurs du groupe des jeunes, et vraiment tous mes encouragements et tous nos encouragements pour l'animation qui pourra en découler et les leviers d'action qui pourront émerger, et je pense au grand bénéfice du groupe des jeunes sans doute, mais de l'ensemble de la viticulture champenoise in fine. Voilà, donc encore un grand bravo et tous nos encouragements. Alors, vous l'aurez compris, on aurait aimé que M. Hanin soit parmi nous. Malheureusement, c'était impossible. Et il a donc fallu travailler encore plus dur. Alors, désormais, Thomas va commencer par vous présenter le premier scénario. Thomas, la parole est à toi. Merci Marie-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. J'en profite aussi pour remercier Hanin au nom du groupe pour son temps et l'accompagnement qu'il a pu nous accorder durant toute cette préparation d'AG. Donc j'ouvre la session avec ce premier scénario que je vais vous présenter. Comme l'a expliqué Hervé Hanin, on est parti sur un scénario général dans lequel on s'est accordé l'exercice d'adapter en fait à la Champagne et de le champagniser. Donc pour ce premier scénario, nous sommes bien en 2050. En 2050, l'économie est stable. Les pays européens ont maintenu le libre-échange et on a développé des accords commerciaux avec l'ensemble des pays du monde.
La réglementation concernant l'origine des raisins s'est assouplie et des assemblages internationaux de cépages ont été maintenant autorisés et sont dorénavant possibles. Par contre, d'un point de vue autorisation de droits de plantation, ils ont été supprimés parce qu'on part vers une libéralisation et l'Union européenne n'accompagne plus la filière viticole dans des investissements suite à des rapports de négociation avec des lobbies hygiénistes. Donc, en somme, nos plans de subvention de France Agrimaire n'existent plus. Les différentes régions viticoles, elles, par contre, ont adopté surtout une pratique qui se démocratise, qui est la désalcoolisation. Concernant le changement climatique, celle-ci a continué de se dégrader. On constate des aléas de grêle, de gel, de pluie, des pics de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes. Sur le plan social, du moins sociétal, la relation avec les riverains s'est complètement dégradée, pour ainsi dire vraiment très fortement. Ils sont complètement intolérants vis-à-vis de la filière agricole de manière générale. Et par conséquent, nous subissons des attaques à répéter d'un point de vue place publique et médiatique. La politique sanitaire environnementale, du coup, s'est durcie. Par conséquent, les distances de sécurité riverains se sont augmentées. Nous sommes passés maintenant de 20 à 50 mètres en fonction des zones. Ça a pour incidence de retrouver maintenant des espaces naturels sauvages qui ont été délimités entre les espaces d'habitation et nos espaces de culture. Toutes ces évolutions, elles ont bousculé la Champagne. Nous avons perdu 3000 hectares, 400 exploitations et plus de 2000 déclarants. Une contraction des acteurs champenois s'est opérée. Ainsi, les vignerons et les coopératives représentent maintenant la moitié d'aujourd'hui. Donc nous avons divisé par deux le nombre d'acteurs en part de marché. Notre chère réserve individuelle, que nous apprécions tant, elle est utilisée fréquemment et nous avons même rehaussé le plafond pour être à 12 000 kilos de réserve individuelle. Nos vendanges manuelles se font maintenant tous les ans autour du 15 août et avec un sujet de devenir de plus en plus précoce encore. Faute de renouvellement parcellaire, le rendement agronomique n'a cessé de diminuer et nous sommes maintenant à une moyenne d'appellation à 8500 kilos. Le cycle de maturité est de plus en plus court, lié à ces réchauffements climatiques, du moins ce changement. La Champagne a de réels problèmes, des niveaux d'acidité trop faibles et des degrés alcooliques encore plus hauts qu'aujourd'hui. Les vignes semélarges ont été adoptées dans certaines régions, surtout là où c'était possible, et le consommateur lui reste très indifférent par rapport aux techniques qui sont utilisées au sein de l'appellation, mais surtout aussi des autres appellations. Suite à la libéralisation des droits de plantation, de nouvelles vignes hors AOC ont vu le jour et sont autour de notre chère appellation. Ces nouveaux vignobles revendiquent l'appellation Vin de France, avec une dizaine de cépages différents, une production aussi bien de vin tranquille que de vin effervescent. Quant à nos voisins européens, qui sont pour nous aussi des grands consommateurs de bulles, comme la Belgique, les pays scandinaves, l'Angleterre, eux ont développé une viticulture, mais à but surtout nationaliste, j'allais dire, enfin un besoin nationaliste qui est effervescente. Concernant la filière et nos acteurs que constitue notre champagne, avec l'assouplissement de la réglementation, la filière des vins se voit réorganisée de manière générale pour maîtriser ses coûts de production. On va voir pousser des centres de mise en bouteille aux portes des grandes villes et aussi des bateaux au niveau des ports pour cette fameuse mise en bouteille. La Champagne est restée par contre, elle, dans son modèle traditionnel, tandis que les autres appellations effervescentes ont fait le choix de changer de mode vinification et d'aller vers des pratiques telles que la cuve close ou encore la gazéification, afin de réduire ces fameux coûts de production dans le but de rester un produit très attractif. Ils élaborent des effervescents avec des assemblages internationaux, répondant à des besoins consommateurs et produisent des effervescents aussi désalcoolisés. La fin des autorisations de plantation a provoqué la création d'une nouvelle économie en Europe, ce qu'on va appeler la bioéconomie. Elle consiste en deux choses, des vins de cépage qui alimentent des assemblages internationaux, mais aussi surtout des produits agroalimentaires ou du moins pharmaceutiques, comme des concentrés de flavones, resveratrol ou encore des anthocyanes. La Champagne a essayé de s'emparer de ce sujet car elle a vu une opportunité pour accroître la notoriété et la valeur ajoutée de la Champagne en valorisant ces fameux sous-produits. Mais cette nouvelle économie ne représente pas un atout économique significatif pour notre filière.
D'un point de vue technique, la recherche variétale n'a pas été la priorité de ces dernières années et le projet Canopée s'est essoufflé. Faute de soutien de financement et par conséquent, peu de variétés concluantes voient le jour. Les groupes phytopharmaceutiques ont cessé leurs recherches dans les cultures spécifiques telles que la viticulture, faute de retour sur investissement. Par conséquent, la viticulture biologique est en situation délicate et les vignerons champenois peinent à lutter contre les maladies cryptogamiques, laissant place à l'usage de produits de synthèse à large spectre, ce qui est pour nous une sorte de retour en arrière pour la filière. Concernant la cicadelle de la flavescence dorée, celle-ci a maintenant des cousins et des cousines. Nous avons la pyrale des agrumes, les agents Smith ou encore les sentinelles. Elles font partie de notre quotidien, mais l'union et surtout les outils champenois permettent de contenir leur destruction qui plane autour de nos têtes. Le comité champagne, malheureusement, devient inopérant dans la compétitivité et les solutions techniques face à la mutation des autres appellations et des pôles mondiaux. Sur le plan formation, les écoles de viticulture ne se réforment pas en profondeur. Elles demeurent insuffisantes et manquent d'innovation pour accompagner les nouvelles compétences des vignerons face aux enjeux économiques et techniques. La Champagne peine à maintenir un niveau d'expertise et de technicité. La problématique de reprise des exploitations et leur gestion est un enjeu crucial. On termine maintenant sur cette vision et cette perspective de marché et de produits, où, par contre, en 2050, le marché des vins effervescents a plus que progressé car il a été multiplié par 3. Les vins désalcoolisés ont eu un impact très fort vis-à-vis du consommateur et de notre filière. Elles permettent de toucher des nouveaux consommateurs et ont ouvert des nouveaux marchés, tels que des marchés aujourd'hui fermés, comme l'Inde. La Champagne profite d'une économie mondiale pour se développer et de nouveaux marchés permettent de maintenir un potentiel de production à 310 millions de bouteilles. Mais elle n'a pas su prendre des parts de marché, passant de 15 à 5%. Le prix moyen de vente de la filière a continué de progresser au détriment d'une baisse de volume dans nos marchés historiques. Toutefois, nous bénéficions d'un chiffre d'affaires record et nous atteignons maintenant les 10 milliards d'euros. Le comité Champagne maintient et progresse la production juridique de la marque Champagne dans le monde, ouvrant des nouveaux bureaux et surtout en signant des accords de reconnaissance dans une dizaine de pays supplémentaires. Les hypermarchés, eux, ont laissé la place à des canaux de distribution de proximité et de plus en plus spécialisés, tels que des cavistes, de la vente spécifique de boissons via Internet, du click and collect ou des livraisons à domicile. La Champagne s'empare et s'adapte très bien de ces nouveaux canaux de distribution et reste un produit d'appel dans ces canaux. Elle commercialise maintenant, d'un point de vue global, 80% de ses volumes à l'export et 20% sur le marché national. Les influenceurs et les prescripteurs spécialisés ont pris une place significative pour guider nos consommateurs dans nos champagnes. Mais la consommation régulière a disparu avec nos baby-boomers. Les nouvelles générations consomment moins et mieux. Ils veulent surtout des expériences multiculturelles. La Champagne attire de plus en plus de monde, avec des expériences œnotouristiques sans cesse renouvelées, avec des événements collectifs qui arborent nos routes de campagne et nos calendriers annuels. Les habits lumières, la fête du champagne, la route des champagnes et de nouvelles fêtes deviennent des moments symboliques qui stimulent notre économie locale. Toutefois, les consommateurs restent préoccupés par leur pouvoir d'achat et achètent des effervescents qu'ils appellent champagne. Malgré les efforts d'investissement sur la communication du Syndicat général des vignerons, cela reste trop faible. Face à cet assouplissement des règles d'origine, le consommateur ne suit plus à la revendication des appellations, mais apporte de l'importance à la notion de producteur. La confusion s'est accentuée vis-à-vis du terme champagne, car celui-ci est devenu générique. Le consommateur donne de l'importance à la dimension RSE, et cela se renforce, induisant du coup une nouvelle segmentation de produits dans les fins effervescents et les vins de manière générale. Maintenant, on va retrouver dans les linéaires des marques de champagne, à côté de cava, d'effervescents, des créments, des Franciacorta, et le consommateur se trouve un peu floué sur cette notion d'origine. En conclusion, dans ce scénario, la filière est dans un modèle conservatiste. La filière maintient des volumes de production à 310 millions de bouteilles et accroît sa valeur avec un nouveau chiffre d'affaires record. Donc tout se passe bien. Toutefois, la filière champagne reste fragilisée et d'autant plus car la répartition des acteurs s'est dégradée et a favorisé un déséquilibre entre la partie vignoble et la partie négoce.
On peut se demander s'il y aura encore des vignerons pour assurer la production en 2050. La perspective commerciale à 80% export rend vulnérable notre filière, surtout en cas de crise. Comment devons-nous accompagner nos marchés actuels et futurs ? Telle est la question qu'on peut se poser. Je laisse maintenant la place à Romain pour ce second scénario, qui sera sans doute plus optimiste. Merci Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter le scénario B, qui nous paraît le plus optimiste. Donc, dans ce scénario, à l'horizon 2050, après un déséquilibre économique et financier sur les dernières décennies, le libre-échange est remis en cause et on voit un retour du protectionnisme. La société émet une forte pression pour favoriser les types de production qui respectent la santé humaine, animale et les écosystèmes. Dans ce contexte, l'Union européenne a voté différentes lois et restrictions, comme la mise en place de la loi climat, avec une neutralité carbone d'ici 2050, une réduction de 50% des produits phytosanitaires et une distance sécurité riverain de 10 mètres, ce qui va représenter une perte de plus de 2000 hectares de production, mais aussi une obligation d'être certifié et de mettre en place une politique RSE dans chaque entreprise. Les attentes sociétales ont conduit à une volonté d'une viticulture durable et respectueuse de l'environnement, et les consommateurs se sont tournés vers une consommation de vins biologiques et nature qui est dorénavant explicitement définie et réglementée. La profession, à la demande des consommateurs, s'est tournée vers une traçabilité accrue de la vigne au verre, avec de nouveaux étiquetages qui indiquent les résidus, les allergènes et tous les éléments constituant du vin. On pourrait imaginer alors une puce GPS intégrée aux caisses à vendange qui suivrait pas à pas toutes les étapes jusqu'à la mise en bouteille ou faire une carte vitale à la parcelle comme dans le vignoble du Cava. Les biotechnologies sont plus présentes avec l'arrivée de nouveaux procédés et découvertes biologiques avec de nouvelles souches de levure et d'enzymes. L'arrivée des micro-traitements par drones et robots facilite dorénavant le travail du vigneron. Malgré le développement accru des recherches de nouvelles variétés végétales résistantes, aucune découverte n'est significative. Dans ce scénario, il n'y a pas de changement climatique majeur et les droits de plantation ne sont pas remis en cause. En ce qui concerne la filière et ses acteurs, dans ce scénario, le localisme reprend le pas sur le globalisme. Les consommateurs français retournent vers les commerces de proximité. Ils achètent le champagne chez leur caviste et consomment dans les bars à vin proches de chez eux. Mais commandent aussi directement via Internet pour que le champagne leur soit livré chez eux sous 24 heures sans qu'ils n'aient à se déplacer. De ce fait, la grande distribution ne vend quasiment plus de champagne. L'Union européenne baisse ses subventions pour l'agriculture pour les réorienter vers la recherche et le développement des technologies et nanotechnologies. La profession se diversifie et tire parti des innovations technologiques, que ce soit dans les pratiques viticoles avec l'arrivée de robots pour travailler dans les vignes comme le Vitibot, ou au niveau des pratiques œnologiques avec l'apparition de l'intelligence artificielle pour la gestion de la cuverie, les détections des mauvais goûts ou les problèmes de fermentation alcoolique, mais aussi en cave avec des chariots élévateurs autonomes, des remueurs automatiques pilotés par intelligence artificielle ou la gestion des stocks en temps réel. Le champagne diversifie sa production en valorisant les sous-produits qui représentent maintenant 30% de son chiffre d'affaires avec de l'huile de pépins de raisin et l'extraction des antioxydants et anthocyanes pour l'industrie cosmétique et la parfumerie. En ce qui concerne les marchés et produits, d'un point de vue mondial, consommer du champagne n'est plus perçu comme négatif. Cela serait même l'inverse. Le champagne dégage une image culturelle d'artisanat appartenant à un territoire et est vu comme un vecteur qualitatif et marqueur de la culture française. Malgré cela, les ventes baissent en dessous de 270 millions de bouteilles dues à la disparition des consommateurs de vins réguliers et à la consommation occasionnelle du champagne.
L'export est donc un passage obligé pour le développement de la filière, qui représente dorénavant 70% des ventes et qui se fait en grande partie par les influenceurs et leurs réseaux sociaux. En 2050, il y a une très forte augmentation de la demande et de l'offre des vins biologiques et nature. En conclusion, dans ce scénario, on peut retenir que les points négatifs sont une baisse des ventes, une perte du marché français au profit de l'export, la création de sous-produits qui est chronophage et un manque d'innovation variétale significatif. Et les points positifs sont un retour du localisme et une innovation et un soutien de la technologie, biotechnologie et nanotechnologie. Je vais maintenant laisser place à Clément qui va vous exposer son scénario des extrêmes. Bonjour à tous. Alors, troisième scénario, le scénario C, alors qu'il a été décrit par Romain comme le scénario des extrêmes, parce que vous allez le voir, il y a du bon et du moins bon dans ce scénario C de France Agrimaire. Alors, on va commencer par le moins bon. Dans ce scénario C, la situation économique, elle est française et même mondiale, elle est qualifiée de très dégradée. Donc, bon, si on se plonge dans ce qu'on connaît, on peut imaginer qu'on revit un petit peu la crise des subprimes en 2008. Donc, on a de la récession, du chômage, de l'austérité. Et la Champagne est à 270 millions de bouteilles. Voilà. Et donc, la situation économique, elle est tellement dégradée que, bah, par exemple, les Français, eux, se désintéressent des enjeux climatiques et l'enjeu du moment en 2050, c'est le pouvoir d'achat dans ce scénario C. Donc si on reprend des termes qu'on a déjà entendus, c'est la fin du mois qui est plus importante que la fin du monde. Voilà. Donc au niveau international, c'est un peu la même chose que dans le scénario B. Le libre-échange est en train de se contracter, c'est la fin du globalisme. Et donc, après 2016, le Brexit, 2017, Trump, l'America First, la Chine qui se ferme en 2021 avec le Covid, eh ben, c'est que le début. Le monde va encore plus se refermer. Alors jusque-là, la Champagne a plutôt bien résisté à ça, à cette fermeture économique, puisqu'on fait toujours plus d'exports, on vend plus à l'export. Mais là, en 2050, c'est terminé. L'art de vivre à la française ne fait plus rêver. On vend plus de champagne. En tout cas, l'art de vivre à la française ne fait plus rêver au Japon ou aux États-Unis. Donc, c'est très compliqué de vendre du champagne sur ces marchés-là. Question bonne nouvelle. Sur les bonnes nouvelles de ce contexte, de ce scénario C, on a énormément progressé sur les variétés résistantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Ça veut dire qu'en 2050, AOG, Canopée a réussi à nous fournir des plants encore plus performants que le Voltis. Alors, on sait que le Voltis, il est résistant au milieu de l'odium, mais il n'a pas des qualités organoleptiques encore aussi bonnes que le Chardonnay. Mais là, en 2050, dans 25 ans, avec Canopée, on a l'équivalent d'un Chardonnay, on a l'équivalent d'un Pinot Noir, on a l'équivalent d'un Pinot Meunier avec des qualités organoleptiques aussi bonnes que nos cépages actuels. Et en plus, ils sont donc résistants à l'odium, résistants au mildiou, résistants au régras, résistants à la sécheresse. Bref, des super plants de vigne. Quoi. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la fin des traitements, fin du travail du sol, fin du désherbage. Donc, beaucoup plus de tranquillité au vignoble. Enfin, dernier élément de contexte de ce scénario C, c'est un petit point sur les bio et sur les viticulteurs bio. Donc, le scénario, lui, ce qu'il dit, c'est que les viticulteurs bio, eux, refusent les nouvelles variétés et qu'on voit apparaître en 2050 un nouveau label, un label dit des vins nature. Et en fait, c'est ce label des vins nature, c'est des vins en fait sans résidus, du fait de la faible intervention technique, fin du désherbage et fin des traitements. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change pour la production et les pratiques en 2050 dans le scénario C ? Obligatoirement, avec ces nouveaux cépages résistants qui résistent à tout, c'est très facile de produire. Donc, faire 20 000 kilos l'hectare, même dans des vignes anciennement cournouées, c'est plus un problème. Aujourd'hui, en 2050, la production, c'est,
c'est plus une problématique. On se rappelle par exemple de Sébastien Dubuisson qui nous rappelle qu'il est rentré au CIVC pour faire baisser les rendements et que maintenant on cherche à faire réaugmenter ces rendements puisqu'on est en baisse au fil des années. Là, ça y est, en 2050, la courbe s'est inversée et on n'a plus de problème de productivité. On produit massivement. Donc ça veut dire que que tout le monde ait sa réserve à 10 000 kilos, ben, c'est tout à fait envisageable. Tout le monde aura sa réserve au taquet en 2050. Donc ça, c'est plutôt positif. Comme le scénario A présenté par Thomas le montre, le scénario C, il évoque aussi la participation à la bioéconomie avec la commercialisation de sous-produits qui, je cite, « finissent par jouer un rôle significatif dans l'équilibre économique des entreprises ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2050, on vendangera aussi pour faire des cosmétiques à base de pépins de raisin et qu'on aura des crèmes anti-rides certifiées champenoises avec de bonnes réputations. Et dans nos boutiques, sur nos cartes, on vendra de la cosmétique champagne. Et c'est un développement qui s'accroît avec le développement de l'œnotourisme. C'est-à-dire que peut-être qu'en 2050, les gens, les touristes, viendront pas seulement pour s'enivrer du champagne, mais aussi pour le bien-être. Donc dans ce scénario C, tout le monde plante les nouvelles variétés à l'exception des bio, mais seulement quelques acteurs, je cite, très techniques, arrivent à vinifier et à commercialiser. Donc là, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, puisque si on reprend les chiffres actuels, on est 16 000 vignerons, et aujourd'hui, il y a seulement 10% qui vinifient et 23% qui manipulent. Donc en 2050, dans le scénario C, on n'a pas trop changé nos rapports de force. Alors, dans le scénario C, à la faveur de l'innovation et de la création variétale, la Champagne devient un pôle attractif de modernité dans le vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on ne fait plus rêver à l'international, si la bulle champenoise ne fait pas rêver forcément au Japon ou aux États-Unis, bien par contre, la Champagne, elle fait rêver pour sa capacité à innover. C'est-à-dire qu'en 2050, la Champagne, elle est le pôle technique mondial. Les gens viennent en Champagne pour voir l'innovation. Donc ils viennent à Auger, voir Canopée. C'est le modèle le plus avancé. Et donc on peut imaginer aussi qu'on a réussi à construire des universités, que nos masters en sciences ou en développement variétal ou en œnologie sont très réputés à Reims et qu'on vient en Champagne parce qu'on est la locomotive du vin mondial. Alors maintenant, on va attaquer un sujet un peu difficile du scénario C et qui n'a pas été évoqué dans les deux premiers scénarios, c'est le niveau européen. Alors, on va vers une Europe, alors certes le monde se ferme, mais on a une Europe plus libérale. Donc, point positif, on n'a plus les Nutri-Score, plus l'imposition de normes, on peut produire plus facilement, on est plus soulagé là-dessus, mais par contre, ce scénario C, le gros souci du scénario C, c'est que c'est la fin des droits de plantation en 2050. On n'a plus le contrôle des droits. Donc, vous l'avez vu dans les vidéos tout à l'heure, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Alors, on va essayer de se projeter en 2050 sans nos droits, avec quand même toujours la possibilité de garder notre système de l'appellation. Donc, imaginons qu'on fasse notre révision d'air d'appellation. Donc aujourd'hui, on est à 34 000 hectares. Imaginons qu'en 2050, on est à 39 000 hectares. La Champagne, c'est 39 000 hectares. Et on n'a plus nos droits. Donc ça veut dire que tout est planté. Donc tout est planté, 39 000 hectares, avec une appellation à 10 500 kilos. Ça veut dire qu'il faut vendre chaque année 341 millions de bouteilles. Sachant que dans ce scénario, l'export ne nous tire plus. Donc vous voyez l'impasse dans laquelle on peut se retrouver, ou si par exemple on reste dans une situation moyenne, celle qu'on connaît actuelle, enfin moyenne, c'est la situation actuelle qui est bonne, à 300 millions de bouteilles, avec 39 000 hectares plantés, ça veut dire qu'on a une appellation à 9 200 kilos hectares. Donc je vous laisse imaginer la tension qui existerait entre les familles de la Champagne. Voilà, donc gros morceau de ce scénario, la fin des droits de plantation. Pour la vente et la commercialisation, dernier chapitre de ce scénario, donc on l'a vu, c'est à l'international, ça marche pas super. Et en plus, dans ce scénario C, l'image du vin,
est mauvaise et les consommateurs, surtout, s'éloignent de la notion d'AOC au profit des marques. Donc évidemment, nous vignerons, c'est ce qu'on ne recherche pas, bien évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne boit plus du champagne from France, mais on boit du mouette, ou on boit du chandon, comme peuvent le dire certains consommateurs américains ou australiens. De plus, dans ce scénario libéral au niveau européen, on voit l'apparition de nouveaux acteurs que le scénario appelle les assembleurs de vins européens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut imaginer, par exemple, que Tétinger nous fasse une nouvelle cuvée avec ses pinots noirs de la montagne de Reims, mais ses chardonnays du Kent. Et donc on ne boit plus du champagne, mais on boit un assemblage de Tétinger. Je sais, ça fait peur. En plus, dans ce scénario C, il y a une concurrence assez forte entre les acteurs européens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concurrence, elle est encore plus rude avec le Prosecco, le Cava, les mousseaux hongrois, le crémant d'Alsace. Donc on est dans le dur à l'international et on bataille au niveau européen. Enfin, dans ce troisième scénario, la grande distribution, elle redevient un acteur majeur de la vente de vin. Alors qu'on le voit aujourd'hui, les hypermarchés n'ont pas le vent en poupe. Eh bien, en 25 ans, ils vont réussir leur mue. Ils vont comprendre que c'est la proximité qui va importer à l'avenir. Et donc, les influenceurs ont un petit peu disparu. L'importance des influenceurs a disparu. Et c'est plutôt les hyper qui ont capté les influenceurs. C'est-à-dire que les hypermarchés ont réussi à être influent sur les réseaux sociaux et à ramener de la clientèle. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer en 2050? En 2050, par exemple, la boutique du 19 qu'on a à Avenue de Champagne, on a également une boutique du 19 dans Leclerc-Pierry, et cette boutique du 19, elle marche très bien. Dans ce scénario C, le consommateur français considère en 2050 que le vin est une drogue douce légale. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quand même plutôt positif pour nous, les Champenois, parce qu'on a un vin léger, et donc on tire notre épingle du jeu, puisqu'on serait une drogue douce, on peut le penser. Et dernier point de ce scénario C, qui est plutôt positif, c'est que le scénario il mentionne une baisse de la pression sociétale sur l'environnement, grâce justement au développement des cépages résistants. Donc le consommateur est moins méfiant, on a gagné en image d'un point de vue environnemental. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? On peut imaginer que ça veut dire que nos consommateurs parisiens, puisqu'il va falloir développer le commerce local, donc pour nous Paris est quand même juste à côté, donc la ville la plus visitée du monde à 120 km, nos consommateurs les plus écolos, ils viennent en vélo le week-end par la piste cyclable le long de la Marne et ils viennent profiter de la Champagne et pour eux c'est une bulle de verdure, voilà. Donc, en conclusion de ce scénario C, pour résumer, qu'est-ce qu'on gagne dans ce scénario C? On gagne de la tranquillité au vignoble, grâce au nouveau plan, facilité à produire de manière écologique et facilité à produire en grande quantité. Comme je l'ai dit, on a de la pression sociétale en moins, moins de normes. L'Europe nous laisse tranquille avec les normes de qualité. Point positif, la Champagne est la locomotive mondiale de la recherche scientifique. On est un pôle scientifique de premier ordre. Et point positif de ce scénario C, c'est on revient vers de la consommation locale et nous, notre marché, notre chance, c'est quand même d'être accolé à Paris, d'être quand même proche du bassin parisien. Et donc, on a, comme je l'ai dit, c'est la ville la plus visitée au monde. Donc, on arrive à développer notre commerce avec Paris, encore plus que maintenant. Qu'est-ce qu'on perd? On l'a vu, c'est notre image à l'international. Les appellations d'origine, ça ne veut plus dire grand-chose. Le mot champagne, pour les nouvelles générations de Brésiliens, de Japonais, de Nigérians, ça ne parle plus. Et donc, c'est dur à l'export. Donc, on perd un petit peu de notre prestige. Et donc, on perd en valorisation. Et donc, c'est
ça va être de plus en plus dur. On va devoir lutter contre les autres acteurs de vin effervescent. Et enfin, désolé de terminer par une toute petite note, par la note négative, mais bon, le gros point négatif de ce scénario C, c'est la perte des droits de plantation. Donc si on n'arrive pas à produire et surtout à vendre plus de 350 millions de bouteilles, ce sera très compliqué. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je passe la parole à Hugo pour le dernier scénario, qui n'est pas forcément plus positif que le mien. Merci Clément pour ce scénario mitigé. Pour finir sur le dernier scénario, malheureusement, je ne vais pas finir sur une bonne note. On va pousser le bouchon encore un peu plus loin, dans le mauvais sens. Donc pour décrire ce scénario, la grande tendance, c'est qu'on a affaire à une Europe encore beaucoup plus libéralisée qu'aujourd'hui. On imagine que les droits de plantation, on n'en parle plus, c'est plus qu'un vieux souvenir, c'est tombé déjà depuis quelques décennies. Le maître mot, c'est l'opinion publique. Toutes les décisions prises par l'Europe sont guidées par des questions environnementales. Donc la RSE, le développement durable, sont des critères indispensables pour imaginer soutenir une agriculture. Le France AgriMer existe encore, il y a encore des subventions, mais à condition qu'on soit absolument irréprochable sur ces notions environnementales. On a un développement, donc les produits phyto évidemment disparaissent déjà depuis pas mal de temps. On a un développement aussi technologique qui est assez positif, donc les projets menés en Champagne sont plutôt de bonne voie. Canopée est un succès. On a recours à des technologies un petit peu plus novatrices, comme les NBT, qui veulent dire les New Breeding Technology. Donc on a une poussée plutôt positive dans ce domaine-là. Mais qu'en marge de cette avancée technologique, on a aussi une scission de la clientèle. On a d'un côté une Champagne qui se généralise un petit peu plus sur les notions biologiques, puisqu'on n'a plus de phyto, quelque part devenir bio aujourd'hui c'est facile. Par contre, on a aussi, dans ce pendant-là, des acteurs qui se renferment sur une notion de vin nature, encore beaucoup plus jusque-boutiste, où les notions de nouveaux cépages, les notions de NBT ne sont pas une question, on ne veut pas les utiliser, quitte à rentrer dans une impasse technique. Donc, un pourcentage de vignobles qui rentrent en difficulté. Ensuite, la grande notion de ce scénario, c'est que l'Europe est jusque-boutiste sur la libéralisation. Les notions qualitatives de cahier des charges disparaissent. Donc, les notions de cahier des charges, d'AOC, d'AOP, d'IG, disparaissent totalement. Aujourd'hui, en Champagne, on sera capable de ne faire qu'un vin effervescent, comme le font les créments, mais aussi les vins gazéifiés, les prosecco, comme ailleurs. Donc, imaginez dans quelle position difficile peuvent se trouver les vignobles champenois avec toutes ces contraintes techniques qui imposent un coût de revient assez élevé par rapport à nos concurrents. En marge de ça, on a des acteurs, le vin existe encore, mais à l'image de ce qu'on peut trouver dans la bière aujourd'hui ou dans d'autres produits alimentaires, quand on boit une bière aujourd'hui, on ne se pose pas de la question de savoir d'où vient le malt, d'où vient le houblon. On boit une bière, on boit une marque, et elle peut être faite au port de Marseille comme à Moscou, peu importe. Donc on a affaire à des assembleurs internationaux qui viennent prendre des cépages un petit peu de partout, intégrer le mouillage. On le voit déjà avec des produits comme le rosé pamplemousse, on assemble des jus de fruits avec des vins d'ailleurs. Et le maître mot, c'est le rapport qualité-prix. Aujourd'hui, pour vendre notre produit, il faut le vendre pas cher, parce que la notion de champagne haut de gamme n'a absolument plus aucune valeur ou plus-value pour le consommateur. Des marques comme Coca-Cola peuvent aujourd'hui imaginer faire des vins effervescents qui soient produits n'importe où. On a du champagne ou du mousseux Heineken qui vient absolument de partout. Il faut qu'il soit absolument produit localement. Donc le but n'est pas que le raisin vienne d'une région, mais si la mise en bouteille se fait proche du consommateur, on va considérer qu'il est produit à côté du consommateur. Donc on est sur une file assez intéressante. Ensuite, sur les marchés produits, donc on a un affaiblissement de l'image de la Champagne. Le localisme, il faut être produit ou fabriqué à côté du consommateur pour être vendu. Donc imaginons une Champagne qui se passe de toutes les exportations.
L'année dernière, on a vendu 127 millions de bouteilles. Si demain, à 34 000 hectares, la Champagne doit se contenter de son marché national, il va falloir réviser l'aire d'appellation à 4 000 kilos hectares. Imaginez dans quelles difficultés nos exploitations se trouveraient en 2050. On a aussi une baisse de l'influence des influenceurs. Les jeunes générations ne lisent plus. On a la disparition de tous les guides. Les guides que sont le guide Michelin, les guides qui aujourd'hui font encore un petit peu loi, disparaissent complètement. Aujourd'hui, pour être visible sur les marchés, il faut être très développé sur la partie digitale. Il faut avoir une marque extrêmement puissante. La grande distribution fait cette transition sur la digitalisation. Et les grandes marques, il faut être une grande marque pour pouvoir être capable de vendre aujourd'hui. Un guide qui va mettre en avant un petit vigneron disparaît. Donc on a un affaiblissement très sérieux de la part du vignoble vis-à-vis de ça. Et par contre, le grand démagogue avec des marques puissantes, de plus en plus internationales, se développe. Donc on a un bilan, on va dire, assez mitigé, ou plutôt noir, en particulier pour le vignoble. Donc on a une contrainte environnementale qui nous pousse pour développer des nouvelles technologies qui fonctionnent. Donc on y gagne de ce côté-là. Le vignoble perd une grosse partie de sa commercialisation, puisqu'il faut passer par la digitalisation, par le pouvoir de marque pour être capable de vendre une bouteille de champagne. On est dans une configuration où le rapport qualité-prix d'un champagne est nettement mauvais par rapport à nos confrères. Donc on est dans un marché nettement concurrentiel. La perte des droits de plantation n'est plus une notion. Donc demain, on peut imaginer d'avoir des plantations absolument partout, du moment que le maître mot est le rapport qualité-prix. On y gagne un petit peu sur le côté développement, le côté pionnier de la Champagne, le développement commercial et la lisibilité qui a été orchestrée par le SGVI il y a quelques années sur les notions de vins frais, fruités, intenses, nous donne une longueur d'avance vis-à-vis de nos concurrents. Donc imaginez un scénario assez noir pour la Champagne dans ce contexte. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Pierre qui va nous parler de comment le vignoble champenois peut se projeter en 2050. Merci. Et oui, on en arrive à cette question. Mais alors, quel vigneron pour 2050 ? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Alors, pays des merveilles ou pas pays des merveilles ? Vous l'aurez compris, face à ces différents scénarios, aucun n'est un scénario probable ou improbable, et aucun n'est idéal. En revanche, en nous projetant, nous pouvons clairement identifier les opportunités qui se présentent, les menaces qui pèsent sur nous, et face à elles, nous pouvons également agir en adoptant une attitude stratégique bien définie. Dis-nous, Marie-Pierre, quelle serait l'attitude à adopter sur le plan européen ? L'Europe, tu as raison Quentin, parlons-en. En 2050, l'Europe peut être celle du libre-échange et nous accompagner dans une politique environnementale favorable, vertueuse, mais elle peut aussi être celle qui ferme ses frontières, durcit sa politique environnementale, assouplit les règles liées à l'origine, au point de perdre les vertus de la définition des appellations. Ou encore, celle qui renforce les normes d'étiquetage. Afin de saisir les différentes opportunités, voici l'attitude stratégique que nous soutenons. Tout d'abord, rendez-vous à tous le 9 juin et allons voter. Après tout, la parole nous est donnée, alors saisissons-la. L'autre point, faisons en sorte d'avoir du poids à Bruxelles. En effet, les lobbies jouent un rôle essentiel. Sachons prendre part au jeu. Et impliquons-nous davantage. Le groupe des jeunes avait sensibilisé l'an passé sur ce sujet et nous enfonçons le clou à nouveau, puisque
après en avoir parlé en Assemblée générale de 2017, nous avions parlé lobby, il nous semble important de nous aussi pouvoir prendre la parole. Un projet est en cours pour renforcer la prise de parole de la Champagne à Bruxelles. Allons alors plus loin et pourquoi pas doubler les effectifs. N'envisageons pas une seule personne, mais deux personnes. Le maintien des autorisations de plantation ne doit pas être une option. C'est important que nous gardions ces droits. Et voilà, on a les droits. Ouh là là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché à fond le gars. Alors on espère qu'ils vont tous réagir comme ça, qu'ils vont marcher à fond. Alors pour ce faire, il va falloir quand même un peu céder. Pour ça, on a un organisme aujourd'hui qui s'appelle IFO, European Federation of Origin Wines, qui a été créé pour pousser ce sujet et rallier d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Ne laissons pas de côté cette institution. Ils ont besoin de notre soutien et ont besoin qu'on les alimente. C'est aussi par IFO que nous pouvons créer des liens avec nos homologues étrangers aux problématiques similaires. Après tout, ensemble, on est plus forts. Une attitude stratégique opportuniste, ce serait aussi savoir interpeller nos élus. L'Europe exige déjà beaucoup, assurons-nous de ne pas surtransposer. Sensibilisons-les à chaque rencontre, occasion, sur l'importance de conserver une Europe qui soutient la viticulture face à l'évolution de l'environnement. Une Europe qui favorise l'adaptation, qui soutient la recherche. Enfin, des élus qui sauront porter un message positif de la viticulture. Et non celui comme une viticulture vecteur de mal, de risque, de mauvaise santé. La filière progressera, nous en sommes convaincus. Mais l'Europe doit nous laisser du temps. Après tout, n'oubliez pas, nous travaillons avec la nature. Nul besoin de tomber dans l'exagération et l'absurdité comme des exemples type DSR, distance sécurité riverain. Que l'Europe ne devienne pas extrémiste. Nos matériels ont progressé et progresseront, tout comme la précision de nos travaux. Des interdictions totales de plusieurs dizaines de mètres autour des chemins, des maisons, ne serait que la preuve que c'est la peur qui gouverne et non le bon sens. Il en va de même sur le sujet de l'étiquetage. Nul besoin de nous coller des étiquettes synonymes de mort ou encore un Nutri-Score noir, F, on n'en a pas besoin. Tout ça, des messages anti-alcool, sous couvert de santé, laissant sous-entendre qu'à la moindre goutte, l'être humain tombe malade. Après tout, M. Jancovici l'a exprimé, les Kinder Bueno deviennent plus dangereux que les déchets nucléaires, par le nombre de morts qu'ils causent pour cause de malbouffe. Alors oui, finalement, tout est affaire de perception du risque. Si on pousse le bouchon, qui ne tombe pas malade après avoir mangé 5 kilos de chocolat ? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et en plus, c'est Pâques. Alors, en retour, nous aussi, nous sommes prêts à nous engager et continuerons à le faire en faveur des comportements responsables. Marie-Pierre, on a pu voir dans les 4 scénarios précédents qu'il y avait des situations économiques variables. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme attitude ? Alors, sur l'activité économique mondiale, c'est facile. Elle peut être en croissance ou en décroissance. Deux options. La deuxième, il faut bien se dire qu'elle déséquilibrerait l'équilibre champenois. N'imaginons pas qu'un monde économiquement bouleversé n'aura pas de répercussions sur nos ventes. Or, nos ventes, c'est notre capacité à créer de la valeur, à défendre nos revenus, et ce, en tant que filière. Nous l'avions déjà proposé l'an passé. Nous insistons. Il nous semble essentiel de mettre en place une cellule dédiée aux études. Alors, des cellules équivalentes ont existé dans le passé, composées de personnes brillantes, et alors que nous nous dirigeons vers un monde plus compliqué, instable, nécessitant d'être informé, de gagner en finesse d'analyse, nous constatons que nous faisons chemin arrière. Alors, nous devons être capables de lire ce qu'annoncent le FMI, les banques centrales. Et plus encore, nous devons être capables de nous souvenir. Ne soyons pas bubules. Alors, allons même au bout de la démarche et sachons organiser une cellule de crise qui pourrait se réunir
pour réagir rapidement, efficacement. Ou tout simplement, utilisons intelligemment les outils que nous détenons déjà, comme une efficace commission économie et prospective, une petite chose comme ça. Face à un climat incertain, un élément a toujours aidé les champenois, nos outils de régulation. Notre stratégie ici est de les soutenir, de les entretenir, de les améliorer, voire d'imaginer ce pour demain, lorsque c'est nécessaire. La preuve de leur efficacité n'est plus à faire. Marie-Pierre, depuis quelques mois, nous battons des records de pluie et d'inondations. Que peux-tu nous dire sur la situation climatique ? Tu as raison, Romain, c'est vrai qu'on aurait bien aimé sortir de chez nous avec un peu de soleil, mais grâce à ça, on est peut-être un peu plus nombreux aujourd'hui. Alors, le climat, eh bien, il sera stable tel qu'on l'a aujourd'hui ou véritablement bouleversé. Ça, c'est évident. Alors, la meilleure option, plutôt à peu près stable, la pire, une augmentation des aléas. Face à ça, vous l'avez vu, on l'a évoqué plusieurs fois dans les différents scénarios, et c'est vrai que le groupe des jeunes se félicite vraiment de la mise en place de canopées. Et pourquoi pas ne pas aller plus loin en imaginant un canopée de l'innovation technologique. Nous rêvons d'un monde où l'intelligence artificielle nous permettra d'abandonner nos binettes et laissera les ampoules sur nos mains comme de vieux souvenirs. Quand on pense climat, on pense également à l'ambition neutralité carbone. Il nous semble indispensable d'orienter notre attitude stratégique vers cet objectif. La Champagne a un cran d'avance en ayant déjà réalisé son bilan carbone en 2003. Elle a déjà progressé, il ne faut pas l'oublier, et nous devons continuer en ce sens. Mais pour ce faire, il va falloir accepter d'être un peu bousculé. La robotique peut devenir un essentiel. Sébastien Sanchez s'imagine déjà avec un outil où on sera en bas des vignes pour tout diriger. Mais ça signifie aussi potentiellement revoir certains réflexes, comme l'équilibre entre le nombre de passages tracteurs et le choix du bon produit. Et d'ailleurs, sur ce sujet, une chose est sûre, le morcellement, c'est un non-sens. Nous entendons aussi beaucoup parler de RSE. Alors, c'est une grande notion autour de laquelle nous œuvrons déjà sans le savoir pour une partie, mais avec les événements de la saison dernière et nos ambitions d'avenir, il nous semble indispensable d'aligner notre stratégie vers cette ambition. C'est un engagement, alors continuons de faire grandir ensemble notre filière en adoptant en matière de RSE une approche générale du vignoble, mais pas seulement, une approche d'entreprise. Marie-Pierre, on l'a vu au début d'année avec les manifestations agricoles, les agriculteurs, les viticulteurs souffrent parfois d'un déficit d'image. Comment redorer notre blason ? Grande question. C'est vrai que sur les attentes sociales et sociétales, on aimerait que tout se passe bien et c'est pas si simple de convaincre l'ensemble. La meilleure opportunité, c'est espérer que la population soit en faveur du monde et de la filière agricole et viticole. Après tout, les agriculteurs étaient ravis de voir Karine Le Marchand les rejoindre. Mais pas seulement, parce que on espère aussi qu'ils sauront consommer de façon responsable et qualitative. Monsieur Kloskinet l'a dit, ce sont les excès qui noircissent le tableau. Parmi les menaces, c'est certain, le pire serait une rupture franche qui se traduirait par une défiance des habitants au point d'avoir le poil qui se hérisse à chaque passage tracteur, chant du coq et beuglement des vaches. Car oui, il est nécessaire de faire preuve d'ouverture. L'attitude stratégique que nous préconisons sur ce point est celle du bon sens. Alors, de notre côté, restons intelligents et ouverts en tant que vignerons. Soyons ouverts au dialogue, à la découverte de nos métiers, permettant à nos voisins, parfois un peu plus citadins, de comprendre nos contraintes. Dans le même sens, restons engagés dans la vie locale. Après tout, notre président est maire, alors quel meilleur exemple ? Et il nous semble important de garder ce lien, ce maillage, ces échanges avec nos riverains. J'espère t'aider. Marie-Pierre, sur cette question de la société, on voit bien que l'image du vin va évoluer. Comment on peut
anticiper ces phénomènes et comment le groupe des jeunes pourrait proposer quelque chose sur l'image du vin. L'image du vin, c'est un des sujets, c'est vrai, dont on débat souvent et qui vient nous nourrir, et on va tâcher de proposer la meilleure attitude. Alors, question image du vin, la meilleure opportunité, une appellation forte et protégée, reconnue mondialement. Le vin et le champagne comme un fleuron français, une fierté pour tous les habitants de France et pour notre gouvernement. Après tout, on vient quand même un peu aider la balance commerciale. Allons même plus loin. Une sacralisation du champagne, au point que celui-ci n'est pas regardé seulement comme alcool, mais comme champagne. La plus grande des menaces, c'est certain, ce serait la banalisation du mot champagne. Une désacralisation, au point de voir les marques prendre le dessus. On a pu voir dans certains des scénarios ce que cela pourrait donner. Et oui, ça serait une baisse drastique des ventes pour certains, un phénomène qui serait d'autant plus appuyé chez nous, vignerons, dont nos ventes s'appuient sur la force et la reconnaissance de l'appellation. Est également menaçant le nouveau courant d'hygiénisme, avec notamment cet exemple de Dry January ou campagne anti-alcool. Nous rêvons qu'en 2050, le vin ne soit pas stigmatisé, ne soit pas vu comme vecteur de maladie. Le Dry January est désormais appelé défi de janvier, comme si nous étions déjà tous accros à l'alcool. L'attitude stratégique que nous préconisons à notre échelle est tout d'abord de continuer à soutenir notre campagne et toute la communication champagne de vignerons. Et puisque nous sommes dans de la prospective, rêvons plus grand. Rêvons d'une communication globale champagne. Il y a des... Notre petit doigt de groupe des jeunes nous dit que certaines grandes maisons ne sont pas fermées à cette idée. Alors, oui, nous espérons embarquer tout le monde et nous espérons bien que cette grande communication globale verra le jour. Et ce, pour notre bien à tous. De nouveaux marchés s'ouvrent à nous. Nous sommes persuadés que cet effort commun peut être bénéfique pour tous. Continuons à former nos prescripteurs. Soutenons les efforts du comité champagne en ce sens. Sur le même axe, nous recommandons également de soutenir ardemment, encore une fois, les études, mais cette fois-ci d'un point de vue consommateur. À la fois à l'étranger, mais aussi en France. Nous devons rester attentifs aux évolutions des comportements afin de nous assurer d'être proactifs et non réactifs. À plus large échelle, continuons de soutenir vin et société et espérons que cette fois-ci, le message porté par notre président de la République passera. Je peux vous dire légèrement qu'il n'y a pas de durcissement de la loi 20, on n'a pas besoin de ça. Que s'il y a des jeunes, qu'il y a des jeunes qui se souvent, etc., ils ne se souvent pas aux vins français. Il faut qu'on arrête d'emmerder les Français avec ces choses-là. Eh oui, qu'on arrête d'emmerder les Français avec le vin. Alors l'attitude stratégique, qui nous semble également évidente, est celle de tout mettre en œuvre pour défendre notre appellation. Avant même de vendre du Moët et Chandon, du Ruinard, du Tétanger, du Veuve Clicquot, avant même de vendre du champagne bio, d'indépendant, de coopérative, n'oubliez pas l'essentiel. Nous vendons du champagne. Nous faisons appel ici à l'esprit collectif, au bon sens, à ceux qui peuvent avoir les yeux plus gros que le ventre. À vous, grande maison, oui, les marques peuvent être fortes, c'est vrai, mais pas au détriment de l'appellation. Vous avez pu constater au travers des scénarios possibles ce que donnerait un monde où les raisins du monde entier peuvent être assemblés entre eux. Un monde où le Chandon prend le pas sur le Moët et Chandon. Pas certain que ce monde-là soit réjouissant, ni pour vous, ni pour nous. Pour nourrir la défense de notre appellation et réagir aux attaques d'autres appellations de vins effervescents, nous sommes convaincus que cela passe également par la défense de notre bouteille. Et oui, quel meilleur vecteur ! Alors, avant toute chose, apprenons à la revendiquer sur nos étiquettes. Ça semble bateau, et pour autant, on voit apparaître des exemples comme ceci. Alors oui, soyez inventifs,
Soyez forts, allez-y. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Nous vendons du champagne, soyons fiers. Disons-le. Quand on... N'allons pas penser que c'est du pétnat ou du cidre. C'est en suivant cette stratégie que le groupe des jeunes propose de mettre en place un élément unique permettant l'identification de la bouteille de champagne. Un élément qui, nous l'espérons, pourra être mis en place par tous les acteurs. Ça veut dire pas seulement nous, vignerons, ça veut dire tout le monde. À ce titre, nous avons amorcé notre réflexion au sein du groupe, un recueillement de toutes les idées est en train d'être fait. On va procéder par étapes pour ensuite choisir les meilleures idées et au final déterminer quelle sera la meilleure idée pour permettre la mise en place d'un signe distinctif sur l'ensemble des bouteilles que chacun pourra adopter sans avoir à revoir la forme s'il souhaite continuer, en laissant de la liberté, mais en permettant une identification simple. Alors nous reviendrons vers vous à ce sujet et en espérant ensuite pouvoir faire adopter cette demande. Défendre la champagne et le champagne, c'est aussi défendre sa qualité. On a parlé de bon nombre de sujets sur la production, sur les évolutions variétales. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous nous targuons que nous produisons un vin qualitatif. Et l'essentiel repose aussi sur cet équilibre, cette volonté d'avancer. Notre champagne idéal n'est pas celle d'un champagne de niche, ni celle d'un champagne low cost qui viendrait inonder les supermarchés. Notre champagne de 2050, c'est celui que personne d'autre ne peut copier ni égaler. Et pour cela, l'attitude stratégique que nous préconisons est celle d'une amélioration continue de cette qualité. Le groupe des jeunes s'est interrogé sur quel levier nous pourrions mettre en place. Autant vous dire que le débat est houleux. Nous avons toutefois identifié un élément sur lequel nous pourrions réfléchir, qu'est le temps de vieillissement. Une notion qui pourrait être rediscutée dans son ensemble. Pourquoi, après tout, ne pas envisager un temps de vieillissement global avant et après mise en bouteille ? À ce titre, sur le vieillissement, nous proposons la mise en place d'une notion nouvelle qui serait celle d'un temps minimum de vieillissement post-dégorgement. Nous suggérons, pour une mise en place en première étape, un temps minimum de vieillissement de 1 mois. Nous avons également longuement débattu de la notion de qualité du raisin. Et oui, qu'est-ce qu'un raisin qualitatif ? Alors, on n'a peut-être pas encore la réponse exacte, mais quid de la mise en place d'un trioptique à quai ? Quid d'une réflexion sur l'augmentation du nombre de kilos au pressurage ? Ou bien sur la qualité des premiers ectopressés versus autopressurage ? Ou encore sur le temps maximal entre cueillette et pressurage. Alors, comme chaque chose, ce n'est pas simple à mettre en place. La machine à laver les caisses a été une révolution et aujourd'hui, c'est juste dans nos réflexes du quotidien. Ce n'est pas facile, mais vous le voyez, le groupe des jeunes reste engagé pour la qualité et cette amélioration continue de la qualité. La champagne d'ici 2050 doit aussi être capable d'anticiper les tendances de consommation. Alors, le cocktail, oui, parfois ça défraie un peu la chronique. Le groupe des jeunes n'y est pas opposé, à partir du moment où il est synonyme de qualité. La champagne doit aussi être vigilante sur la classification que nous voyons tous dans les restaurants, les menus. Après tout, nous ne sommes pas que des bulles, nous sommes champagne. Alors, soyons acteurs et défendons cet intitulé. Et enfin, dans cette anticipation des nouvelles tendances, la champagne va bel et bien devoir se positionner sur une attente croissante du low et zéro alcool. Ne vous crispez pas sur vos sièges, le groupe des jeunes n'est pas en train de vous dire qu'il est pour, mais qu'il est nécessaire que nous nous positionnions sur ce sujet. Nous devons nous poser la question, le sujet est trop important. Une partie du monde ne consomme pas ou plus d'alcool, voulons-nous y répondre ? Dans nos avancées constantes, doit-on prendre en considération l'attente croissante d'un moins d'alcool ? Ou est-ce qu'on campe sur nos standards ? Que voulons-nous vraiment défendre ? Tout est entendable, mais nous ne pouvons pas faire l'autruche. Alors, Maxime, tu as cité la grenouille, Vincent a cité le loup, on va continuer sur le registre animalier. On a choisi l'autruche, après tout c'est simple, c'est facile, mais sortons la tête du sable.
Ce serait quand même la priorité. Une foule de questions découle à ce sujet, qu'il nous semble essentiel de mettre à l'ordre du jour. Marie-Pierre, la moitié des agriculteurs français seront à la retraite en 2030. Que faire avec la transmission ? Ah là là, alors ce que vous dit pas Clément, c'est que hier, en répétant, on est vraiment dans la transmission et l'agilité au groupe des jeunes, il a répété tout son scénario avec son petit garçon dans le bras, dans les bras. Donc vous voyez, ça commence au plus jeune âge. Alors, ben oui, la transmission, c'est la plus belle des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Ce serait une politique d'accompagnement favorable, positive, qui vient nous accompagner pour la transmission des structures agricoles et viticoles. On l'a vu, ça a été évoqué par les agriculteurs lors des manifestations, et à juste titre. Si demain, la plus grande des menaces apparaît, c'est la difficulté de reprise de nos exploitations. Et en conséquence, un morcellement renforcé, rendant plus difficile la mise en place de pratiques viticoles, aller essayer d'avoir des pratiques vertueuses sur des parcelles de 10 arts, on vous met au défi. Et en plus de ça, on verrait grandir le nombre de doubles actifs, non engagés, non formés, et loin des problématiques du monde champenois. Sur ce sujet, c'est vers vous, nos élus, que nous nous tournons. Nous avons cette demande de nous aider à assouplir la législation pour assurer la pérennité de nos exploitations. Transmission, mais également échange. Et oui, les échanges viendraient nous aider dans cette volonté de neutralité carbone, viendraient nous aider à remettre un peu plus de bon sens sur le travail de nos parcelles. La transmission de nos exploitations, c'est aussi continuer de les faire grandir. L'accès au foncier aujourd'hui est compliqué. Les politiques publiques peuvent-elles mieux nous accompagner ? Est-il possible d'imaginer des solutions qui s'appliqueraient à notre cas champenois avec un foncier dont le prix est exorbitant, un foncier rare et pourtant clé du développement de nos structures et de la sauvegarde de notre filière ? Et enfin, alors Sébastien Sanchez a été un bon porte-drapeau sur le sujet du groupe des jeunes comme un serpent de mer, c'est bien la capacité professionnelle. Voilà des années que le groupe des jeunes la réclame, la revendique, mais rien n'y fait. Nous nous heurtons toujours à des obstacles, et pour autant, nous sommes convaincus qu'elle est clé. Clé sur le développement potentiel de plus de doubles actifs. Alors, aidez-nous à la mettre en place, aidez-nous à trouver des solutions législatives. Nous, on a les idées, on n'est pas juriste, mais on peut donner la voix. Tu viens d'évoquer la formation pour les déclarants, d'un point de vue capacité professionnelle, et puis aussi de les sensibiliser à la filière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la formation concernant nous vignerons, les viticulteurs ? Alors formation, tout d'abord nous nous réjouissons de savoir qu'aujourd'hui dans la salle nous avons des élèves d'Avis Viticampus, parce qu'après tout c'est important de compter aussi de jeunes formés. Alors c'est vrai que la formation c'est une suite logique, car il est évident qu'une mauvaise formation ou celle d'une population champenoise hétérogénéiquement formée serait une grande menace pour 2050. À l'inverse, une population complète formée à la viticulture et au monde champenois, mais aussi à toutes les nouvelles technologies et aux évolutions de notre monde. Le monde d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, ne sera pas celui de demain. Alors apprenons à nous adapter à la fois à la partie technique, technologique, intelligence artificielle, robotique. Sachons aussi investir dans les lieux et dans les hommes avec un grand H pour nous former, pour apprendre et pour avancer. La seconde attitude stratégique que le groupe des jeunes préconise, eh bien, c'est une formation de tous, à tous les âges, pour tous les métiers, tout le temps, partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des organismes qui travaillent sur des développements numérique, le CRFPS réfléchit à ces notions. Comment demain j'arrive à accéder à une formation depuis mon exploitation ? On apprend à être agile. Ça va dans le bon sens et le groupe des jeunes soutient cette direction. Nous savons qu'il y a un problème de recrutement et nous voulons donner envie à d'autres de venir nous rejoindre dans nos métiers. En ce sens, Benjamin vous l'a dit tout à l'heure, nous avons mis en place un projet autour de la communication pour donner envie à d'autres personnes de venir travailler avec nous. Mais ça concerne les personnes de notre âge.
Parce qu'après tout, attirer, ça commence bien avant. On constate parfois que nos métiers ne sont pas bien considérés. Or, ils devraient faire rêver. Qui, petit garçon, n'a pas eu envie de devenir Sam le pompier ? Alors, en ça, le groupe des jeunes porte aujourd'hui l'idée, vous allez la trouver farfelue, mais nous, on y croit, de mettre en place un projet de dessin animé qui s'intitulerait Luc le vigneron. Alors oui, quoi de mieux que de faire rêver les jeunes sur l'artisanat, la polyvalence, la beauté de notre nature ? Notre métier est beau, il est riche, faisons-le connaître et donnons envie à d'autres de nous rejoindre. Alors, pour 2050, finalement, il est où le problème ? À tous de choisir. Merci à tous. Nous allons maintenant vous donner la parole et vous laisser poser toutes les questions qui pourraient vous être arrivées en tête. Il n'y a pas de micro. Je n'ai pas de. Ah, si, c'est bon. Bon, bonjour, Gauthier Vatel. Moi, j'ai une question. Donc, Marie-Pierre en a parlé juste sur la fin, concernant la formation professionnelle et donc, du coup, la capacité professionnelle. Comme vous le savez, effectivement, la formation des viticulteurs est importante car c'est un peu le point de départ de chez nous. Cependant, on a quand même la gestion administrative aujourd'hui qui prend une part considérable du temps. Hein. On estime entre un tiers et moitié du temps, donc un mi-temps quasi. Effectivement, il est possible également de s'entourer de différents acteurs, comptables, conseillers d'entreprise, juristes. Ça a un coût, mais pour ça, il faut aussi comprendre ce qu'ils nous racontent. Donc du coup, ma question, d'après vous, comment va évoluer la notion de capacité professionnelle en 2050, sachant que maintenant, il existe des équivalences pour des écoles supérieures qui donnent la capacité professionnelle, malgré que les étudiants ne sont pas allés travailler dans la vigne au niveau manuel. Merci Gauthier pour ta question. On espère que tout ça soit intégré dans les formations, autant la pratique que l'administratif, le juridique et tout ça. Moi je milite depuis très longtemps, depuis que j'ai quitté le lycée, que tout ça soit vraiment un packaging complet. Voilà. Et j'espère que ça va évoluer. Les quelques échos que j'entends, les quelques apprentis qui viennent sur ma structure, pour moi ça ne va pas du tout. L'enseignement en ce moment ne va pas bien du tout et j'espère que ça va vraiment évoluer. Voilà. D'autres questions ? Non, vous êtes tous silencieux. Benjamin ? Du coup, je suis un peu biaisé parce que je fais quand même partie du groupe des jeunes, mais sur la question de Luc le vigneron, voilà, je trouve que c'est une super idée effectivement de peut-être mettre en avant nos métiers au niveau agricole auprès des plus jeunes. Est-ce que peut-être il serait bon de voir avec nos aînés pour peut-être rencontrer aussi les différentes institutions du monde agricole pour justement parler de ce sujet ? Savoir si c'est réalisable et si c'est possible de faire quelque chose en collectif au niveau national agricole. Est-ce que c'est prévu peut-être ou pas du tout ?
Alors, il est sûr que sur ce sujet, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est vrai qu'au début, on s'est dit, c'est un peu sorti du chapeau et on s'est dit, mais non, c'est une véritable idée et qui peut vraiment avoir sens. Il faut s'arrêter au bon moment parce qu'on sait qu'on a la loi Evin qui peut mettre des freins. Mais là, on se parle bien du métier, de l'artisanat. Il est évident que si demain, on pouvait réussir à sensibiliser à la fois le monde viticole et agricole, on serait bien sûr plus fort. Donc, on va y aller par étapes, car qui trop embarrasse mal étreint. Mais on aimerait en tout cas, oui, pouvoir embarquer nos aînés et plus largement que la région Champagne sur ce sujet. D'autres questions ? Merci pour ces scénarios qui m'ont littéralement noué le ventre, même si à la conclusion m'a redonné le sourire. Est-ce que vous avez abordé le prix du foncier avec vos échanges avec Monsieur Hanin dans ces différents scénarios ? Parce qu'on voit que le droit de plantation est prédominant et il a certainement un impact sur le prix du foncier et donc sur le morcellement et le futur de nos exploitations. Alors on ne l'a pas abordé directement comme ça, mais et on a fait aussi le choix de ne pas non plus l'évoquer dans les scénarios en détail. Ce qui est sûr, c'est que en fonction des quatre scénarios qu'on a pu voir, l'augmentation de l'air, la réduction des parts de marché, l'augmentation des parts de marché, tout ça, ça va avoir forcément un impact sur le prix du foncier. Donc en fonction du chemin qu'on va avoir, en fonction de soit plus de libéralisation ou pas, ou si on arrive à garder la maîtrise, c'est ça qui va être la clé de notre foncier. Donc indirectement, le destin du prix du foncier n'est pas vraiment entre nos mains, mais par contre, on a la possibilité de faire ce travail d'influence ou d'orientation politique pour maîtriser ça. Au niveau du foncier, mais c'est plus, vous avez abordé le problème du morcellement, notamment... Si on veut mettre en place des actions écologiques ou autres, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues, qui sont en cours au niveau du groupe des jeunes, au niveau du syndicat plus généralement, voire même du CIVC, à ce niveau-là, pour essayer d'avancer, parce que c'est un réel problème, surtout dans la Côte des Blancs où on est aujourd'hui. Je ne connais pas trop les autres secteurs, mais c'est un réel problème aujourd'hui, le morcellement. Alors, je te rejoins tout à fait, Georges, c'est vraiment un réel problème. La SAFER a développé un outil qui s'appelle la bonne parcelle, merci Marie-Pierre, et qui justement est le but d'échange, de regroupement, de recentralisation du foncier au niveau des exploitations. Cet outil a été mis en place il y a déjà maintenant 2 ans ou 3 ans, monsieur le directeur est là, il pourra me confirmer, et pour l'instant l'outil a énormément de mal à démarrer pour l'instant. Il y a encore vraiment beaucoup de freins, je pense que c'est plutôt des freins de personnes, qui n'arrive pas encore à réfléchir, à recentraliser son exploitation, à revoir le foncier, réfléchir. Voilà. Sur le sujet du morcellement, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on a aussi insisté, en parlant de transmission, également sur la partie échange. C'est vrai que morcellement, par moment, on se retrouve avec des choses complètement aberrantes, où on pourrait tout simplement échanger des parcelles pour que chacun des vignerons ait moins de trajets et puisse plus facilement mettre en place... des pratiques de plus en plus vertueuses. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, un des vrais freins à l'échange, c'est quand même le coût. Puisque à chaque fois qu'on doit échanger une parcelle, on passe chez le notaire et c'est pas anodin. Donc ça fait partie des points qu'on a vraiment... ça paraît simple, mais ça serait déjà un frein à lever. Donc ça, on peut pas y arriver tout seul, Georges. C'est vrai qu'on sensibilise, on a quelques personnes à qui on peut s'adresser aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on aimerait en tout cas mettre en place. Alors Clémence Blin, moi j'avais une question. Déjà les scénarios étaient très intéressants. Après on était vachement sur des choses macro, on va dire, on était sur l'économie, sur l'Europe. Et moi je me posais un petit peu une question, est-ce que a été évoqué, quel sera le travail, enfin la réalité du travail demain d'un viticulteur par rapport justement à toutes ces évolutions, quelles activités concrètement il va faire et du coup aussi quelles activités auront demain la main d'œuvre champenoise. Et on se posait aussi la question de l'attractivité. Enfin, vous avez parlé justement dans les scénarios de rendre notre métier un peu plus attractif avec le projet communication. Du coup, voilà, quelles activités on peut imaginer pour demain de travail réellement du vigneron, mais aussi des salariés qui seront sur les exploitations. Est-ce que ça a été envisagé ?
Alors, il y a ce côté beaucoup plus de robotique. C'est vrai que, alors on l'a dit en blaguant, Sébastien Sanchez l'a évoqué en rigolant, mais ce côté, je mets un peu moins les mains directement, mais je me fais accompagner d'innovation technologique. C'est quelque chose qu'on espère. On espère que demain, on pourra avoir des machines qui vont détecter la différence entre le pied de vigne et les mauvaises herbes. Ça, c'est pour ça qu'on poussait dans nos discours ce côté innovation technologique. Ça, c'est un vrai espoir. La partie variétale, c'est sûr que si demain on a un cépage résistant, ben forcément, s'il n'y a pas de mildiou, le problème n'est pas là. Donc ça vient aussi nous aider. Sur la partie administrative, tu as raison, c'est très lourd. Là-dessus, on faisait aussi appel à la partie formation pour pouvoir réussir à comprendre et à essayer de s'organiser au mieux. Et après, derrière, c'est la partie nationale qui découle sur IDRM, TESA, DSA, DAE, DAES, où là, c'est nos pouvoirs publics qui les mettent en place. Ce qu'on voit aussi, c'est que donc, bon, c'est la tendance actuelle, mais on cherche à avoir moins de pénibilité aux vignes. Donc la technologie va être là pour, on l'espère, pour nous aider à moins souffrir aux vignes. Et pour les salariés aussi. Alors c'est vrai que c'est un double paradoxe. On cherche plus de main-d'œuvre et en même temps on développe de la technologie pour espérer en avoir moins. Mais ce qu'on peut penser, c'est que les salariés de demain, ou le viticulteur de demain, il faudra qu'ils sachent maîtriser plein de petites tâches, c'est-à-dire qu'il y aura moins de tâches répétitives et dures, mais que on puisse passer, ce sera la capacité aussi des salariés, des futurs viticulteurs, à savoir changer de tâche rapidement. C'est aussi dans la tendance actuelle. Aujourd'hui, les jeunes travailleurs, quand on écoute les sondages, montrent qu'ils ont besoin de changer régulièrement chaque jour de tâche. Donc c'est de l'avancée technologique, on perdra de la pénibilité, on sera aussi capable de faire plus de petites tâches, et c'est aussi ce que recherche la nouvelle génération aussi. Voilà. Justement, avec la transition de la nouvelle génération, alors je suis moi-même président de TVC Avenir, le groupe des jeunes, j'ai une petite question du coup pour vous. Le groupe des jeunes sert à former les administrateurs de demain, c'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume. La question, c'est les jeunes sont de plus en plus intéressés par eux-mêmes, mais pas que, heureusement, sauf qu'on a des difficultés à les intégrer dans les conseils d'administration, les bureaux. Donc pour vous, comment vous voyez, comment vous pensez attirer les jeunes en 2050 ? Pour compléter aussi avec la question précédente, pour attirer les jeunes, il y a différentes manières de voir les choses. Il y a la partie donc main-d'œuvre, pour revenir à la question d'avant. En fonction des scénarios, en effet, on voit des scénarios où on va avoir des innovations technologiques qui vont faciliter le travail. On a des scénarios où, en gros, on va avoir de la prospérité, toujours plus de chiffre d'affaires, donc une meilleure valeur ajoutée. Et donc, du coup, par conséquent, on peut imaginer, pour attirer les gens, un meilleur partage de la valeur. Ça, c'est un levier qu'on peut avoir. Et après, c'est de manière globale, et qui vient aussi avec ta question, Gauthier, c'est la sensibilisation à la filière. D'où l'idée, pourquoi pas, d'avoir une formation ou des vidéos en lien avec la filière agricole et du monde viticole. Et puis après, pour la question de la formation en fait, de nos acteurs de demain, on a pu aussi échanger lors des ateliers sur le fait que, certes, il y a la capacité professionnelle pour les déclarants, d'un point de vue, on va dire, demain technique, tu parlais des équivalences professionnelles. Nous, ce qui était aussi ressorti, c'était d'avoir une dimension beaucoup plus humaine, parce qu'en conseil d'administration, on parlait à chaque fois du bon sens. Bon sens, il était sous deux aspects, l'aspect technique, savoir qu'est-ce qu'un raisin de qualité, comprendre l'ensemble de notre métier et de l'ensemble de la chaîne, mais aussi, surtout, de savoir quelle est la richesse de la Champagne, qu'est-ce qui fait que le modèle est unique. Et pour nous, on a apporté un peu de valeur sur ça en se disant le modèle unique de la Champagne, c'est son maillage, c'est l'ensemble de sa représentativité, c'est son organisation, et c'est pourquoi pas demain les former là-dessus pour dire aujourd'hui tu es en Champagne, tu as la chance d'être né ici et d'avoir la possibilité de cultiver des vignes. Il faudrait que tu saches d'où tu viens, quels sont tes devoirs et ce que tu peux faire par la suite. Peut-être c'est une idée que je développe moi-même, qui n'engage que moi, mais la France a un faible taux de syndicalisation. En Allemagne, on est obligé de se syndiquer quand on fait partie d'une grande entreprise. Est-ce que
pas développé, une obligation, à partir du moment où on a un numéro de récoltant, on est obligé de se syndiquer ou de faire un minimum de réunions par an. Comme par exemple pour la flavescence, on est obligé, ça devient obligatoire dans certaines zones de faire les prospections flavescence. Est-ce que ça ne pourrait pas être obligatoire de se syndiquer ou de faire au moins une ou deux réunions par an? Voilà. D'autres questions? Séverine? Alors déjà, je voulais vous remercier parce que c'était vraiment une belle projection dans l'avenir. Après, effectivement, je pense que la vérité est au milieu de tous les scénarios et qu'on ne l'a pas encore entre les mains. Mais en tout cas, ça prouve bien qu'il faut qu'on se relève tous les manches pour essayer d'anticiper, comme vous l'avez très justement dit. Moi, je vois un rapport entre nos deux assemblées générales parce que vous, vous avez mis le doigt sur le morcellement. Nous, on a mis le doigt sur la mutualisation. Et en fait, je pense qu'effectivement, la solution se trouve en rassemblant ces deux sujets. Puisque vous parlez aussi beaucoup de robotique et d'innovation, tout ça coûte cher, en fait. Et aujourd'hui, la transition va coûter cher. Et donc, et vous l'avez dit aussi, on est face à des problèmes de petites structures, puisque ce morcellement, c'est bien l'évocation de petites structures, une multiplicité de petites structures. Et donc, c'était juste pour dire que je pense, et j'ai soufflé ce mot-là à Maxime tout à l'heure, qu'il y a une vraie réflexion sans doute à mener au sein du syndicat, donc peut-être dans une commission dédiée à la RSE, parce que tout ce que vous avez abordé, en fait, alimente ce sujet RSE, de transversalité, de... Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, de place de l'homme dans les structures. Et donc, je crois que vraiment, il y a un sujet à réfléchir entre nos commissions sur cette question du morcellement, de la mutualisation des moyens et des hommes. Merci Séverine. Bonjour, donc Frédérique Elbé, la directrice d'Avis Viti Campus. Donc vous avez parlé de formation, donc j'aurais pas forcément de questions, mais plutôt des remarques, puisque différentes choses ont été évoquées en lien avec la formation. J'ai entendu aussi que la formation en ce moment c'était compliqué, je le retiens. Par contre, il faut aussi savoir qu'au niveau des référentiels, hein, nous n'avons pas forcément en tant qu'établissement la main dessus, et donc nous faisons en sorte de pouvoir les appliquer et de former au mieux les jeunes, et nous engageons aussi à améliorer aussi le lien que nous pouvons avoir avec les acteurs tels que vous pour former les jeunes et les moins jeunes de demain. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure d'un champ administratif qui vous pèse aussi au quotidien. Et donc sachez qu'Avise aujourd'hui s'est penché sur la question, et notamment par le biais du CFPPA, puisque nous avons aussi plusieurs centres, hein, au-delà du lycée, mais aussi un CFA et un CFPPA. Et donc le CFPPA aujourd'hui est en train de travailler sur des formations spécifiques pour les vignerons qui sont installés ou les jeunes vignerons qui s'installent et qui ont ces besoins de notions administratives qui, effectivement, ne sont pas ou peu abordées dans les formations qui sont celles que nous pouvons dispenser liées à des référentiels. Voilà, donc nous sommes toujours à votre écoute et n'hésitez pas à venir vers nous pour nous évoquer vos besoins pour voir comment il peut nous être possible d'y répondre. D'accord, bah merci. Bah on se réjouit de cette ouverture de formation qu'on espère qu'il va être diffusée et promue à large échelle, parce que je pense que le besoin est très très important. Pas d'autres interventions ? Alexandre ? Merci beaucoup pour votre AG. On a vu que les présidents avaient pris la parole sur ce qu'ils avaient vécu les années précédentes, il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et en fait, on a l'impression que les sujets ils reviennent un petit peu sans cesse, que le groupe des jeunes les propose sans cesse. Et je me demandais s'ils avaient réussi à identifier quels pouvaient être les freins à la capacité professionnelle. Le groupe des jeunes propose beaucoup de choses et pourtant, on a du mal à passer l'étape supérieure et à avancer. Est-ce que c'est nos institutions ? Est-ce que c'est... le manque d'écoute des jeunes par les aînés, voilà. D'où vient ces freins qui bloquent les sujets que les jeunes portent depuis des décennies? Comme toute chose nouvelle, souvent ça fait peur. Je pense qu'il y a ce premier point
On arrive avec des choses un peu farfelues qui ne le sont pas tant que ça. Moi, je pense notamment au projet Champagne 2030 qui a été travaillé pendant des heures, qui finalement a été mis sous le tapis pour revenir étape par étape avec une mesure, puis une autre mesure, puis au compte-gouttes. Alors au final, on se dit c'est dommage parce qu'on aurait pu aller plus vite, plus loin et avec un package. Oui, c'est sûr, quand on est jeune, on a besoin de nos élus, nos aînés, nos représentants, c'est évident. Parfois, il y a des choses qui sont plus grosses que nous. Je pense, quand on arrive à s'attaquer au code rural, qui est un des freins, notamment sur la partie capacité professionnelle, c'est sûr que quand on arrive à ce monde-là, alors nous, on se dit, oh là là, code rural... Okay. Mais c'est là où on a besoin d'aide. Par contre, ce qui est certain, je vais reprendre le terme de Séverine et de leur Assemblée Générale, mais si on mutualise idées et moyens, certainement qu'on devrait pouvoir aller plus loin, plus vite et plus fort. Allez, Gauthier, une nouvelle fois. Une petite dernière. Dans les différents scénarios, donc, certains étaient plutôt catastrophiques, d'autres un peu plus optimistes. Hormis le scénario où il n'y a plus de traitement parce qu'il n'y a plus de problème, et donc là on est un peu dans un monde utopique, il y a un autre scénario qui parlait de la cicadelle et de ses cousins, entre guillemets. Comment vous voyez du coup en 2050 la qualité du raisin évoluer ? Dans une interview, une personne parlait de prime au raisin, prime à la qualité, pardon. Comment vous voyez du coup la qualité s'améliorer ou non en 2050? Alors, juste pour confirmer ta question, c'est comment gérer la qualité en 2050, sachant qu'on va avoir de plus en plus de ravageurs? Concrètement, oui. Ok. Deux leviers. Le premier, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, c'est notre tissu social. Notre capacité à être collectif dans la prospection, ça part déjà aussi de l'entretenir, donc ça veut dire former, sensibiliser, donc on revient un peu sur ce qu'on a dit avant, et pourquoi pas aussi du coup former nos déclarants futurs et actuels. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment le levier humain, c'est comment garder ce capital humain et le maintenir et le faire évoluer et être tous acteurs pour surveiller notre vignoble et s'adapter et répondre à nos enjeux qualité dans le sens rendre un raisin marchand sain à destination de nos élaborateurs de champagne. Le deuxième levier, autre que l'humain, ce sera le technologique. On pourra tout à fait imaginer demain des capteurs, soit par des drones, soit des capteurs embarqués. Il y aura tellement de choses, ça va tellement vite que ce sera sûrement le deuxième levier qui permettra d'accompagner nous, viticulteurs et déclarants, pour maintenir cette qualité. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est définir un peu mieux la qualité? Quels sont nos gros enjeux? Qu'est-ce qui permet de mieux maîtriser notre qualité? On s'est posé la question en disant, est-ce que c'est à la vigne? Est-ce que c'est à la vendange? Ou est-ce que c'est, par exemple, post-dégorgement ou durant tout le circuit d'élaboration? Donc là, on a tous un avis un peu mitigé là-dessus, mais je pense qu'il y a un travail à travailler sur ça, de savoir quel est le plan d'action. Et puis après, de missionner notre cher comité champagne à adapter des outils et à travailler dessus. Il y a une question tout en haut, là. Paul Barbier, tout en haut. Je t'ai reconnu. Hein. Alors, je vous remercie pour la... Paul Barbier, déjà. Je vous remercie pour la thématique d'aujourd'hui. Je remercie aussi Gauthier pour avoir lancé les questions. J'en profite un peu pour faire monter le micro parce que toutes les questions étaient devant, donc peut-être que les gens derrière ils vont être un peu moins timides. Vous avez aujourd'hui pointé le doigt un peu là où ça fait mal, c'est-à-dire les doubles actifs qui mettent les vignes en prestation, donc qui sont complètement hors de la profession. Et aujourd'hui, on sait que être dans l'immobilisme, c'est mourir. Donc indirectement, cette méthode d'agir, ils sont voués à disparaître. En tout cas, ça, c'est ma pensée. Il faut être dans l'évolution. Il y en a qui arrivent très bien, même avec des petites surfaces. Ils font de la haute valeur ajoutée. Ils vont sur des marchés de niche. Ou alors, ils essayent de capter du foncier. C'est pas facile. Parfois, ils font des groupements. Pour vous, est-ce que
la capacité professionnelle, ce combat, est-ce que dans 10 ans ou dans, pour les venir en 2050, ça sera encore un combat si ces petites structures sont d'ici là vouées à mourir parce qu'elles sont dans l'immobilisme? Est-ce que ce n'est pas des forces déployées dans le combat, on va dire à perte, puisque d'ici 20 ans, ça sera une non-question? Alors, à la question, si j'ai bien compris, est-ce que la capacité professionnelle peut devenir un frein finalement à l'activité continue et qui perdurerait de petites structures, si j'ai bien compris, Paul ? Si ces structures sont vouées à mourir de toute façon, parce qu'elles sont dans l'immobilisme. Ce qui est certain, c'est qu'on privilégiera toujours un monde formé qu'un monde qui existe et qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait vraiment, nous, c'est de se dire que demain, on arrivera à avoir des enfants, des petits-enfants qui vont hériter de terres champagne en appellation et qui auront le courage de dire « moi, c'est pas mon job, je veux être dentiste, je veux être comptable, je veux être informaticien et je vais mettre ma vigne en location à un vigneron qui, lui, sait faire, a la compétence, a le maillage et va pouvoir faire prospérer. » Donc c'est vrai que ça c'est un réflexe qu'on aimerait pouvoir mettre en place. À ça, la prestation, c'est sûr que ça ne nous aide pas. Ce qu'on voit un peu frémir ces derniers temps, c'est qu'il y a quelques retours en arrière. On voit quand même des prestataires réduire leur superficie, réduire les surfaces engagées. On en voit se dire finalement c'est compliqué, je vais faire autre chose. Donc si ça devient un peu plus difficile, à un moment donné... la complexité, ça donne pas envie. Donc si on arrive à mettre un cadre, et ben face à ce cadre, on est obligé de réagir et de donner aux bonnes personnes. Parce que quand on y réfléchit, recevoir un loyer sans rien faire, c'est quand même déjà très confortable. Ça répond à ta question, Paul ? Merci. Et puis ces petites structures qui sont peut-être vouées à disparaître, elles seront remplacées par d'autres, puisqu'avec le morcellement, les grosses feront des petites, et ça reproduira le problème à l'infini. Ce qu'on peut peut-être aussi se dire, c'est qu'après, tout dépend comment on voit l'évolution. Certes, il va y avoir plein de mutations, en fonction déjà de facteurs externes, soit le marché, soit l'extension la révision de l'aire d'appellation ou fin des droits. Tout ça, ça va être des facteurs externes, même si parfois on peut avoir la main plus ou moins directe. Si on se positionne en tant qu'interprofession, du moins syndicat et organisation qui représente l'ensemble de nos déclarants, un des mots et des valeurs qu'on porte à chaque fois, c'est toujours le collectif et d'accompagner. Donc la position sera toujours aussi, même si on peut imaginer qu'une cause est perdue, ce sera toujours d'accompagner pour générer des opportunités, de manière à ce que peut-être la troisième génération, après deux personnes qui n'auront pas voulu continuer, puisse revenir dans la filière champagne, tant que le bon sens de vignerons et de paysans sera là, et tant que ça profite au collectif et qu'on tire toujours l'appellation vers le haut. Je me permets aussi de rebondir sur la question que tu as posée, Clémence, tout à l'heure. Tu nous as dit, le vigneron, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire en 2050 et vous avez évoqué des choses très macro. Pourquoi on a évoqué aussi ces choses très macro? C'est parce qu'on s'est rendu compte, quand on a cherché à se projeter en se disant qu'est-ce que nous, on va faire concrètement dans le détail dans nos vignes, on n'arrivait pas à répondre à la question sans retomber sur « Ah mais imagine, il y a 10 000 hectares en plus. Imagine, tu n'as pas de droit de plantation. Imagine, l'Europe ferme les frontières. Imagine, il y a une grosse guerre. » Et en fait, sans prendre en compte cette partie macro, on n'arrivait pas à descendre à notre quotidien. Et cette partie macro, on ne peut pas, nous, tout seuls, avec nos petites mains, la changer. Par contre, en prenant la parole aujourd'hui, en l'évoquant et en la prenant à d'autres moments, instants, on peut essayer d'influer, d'influencer et d'essayer de faire passer des petites pièces. Mais c'est bien petite pièce par petite pièce qu'on construit les plus beaux puzzles.
Bien, eh ben, merci à tous et à toutes. On va maintenant conclure cette assemblée générale. Merci donc à toute l'équipe pour ce thème. Voilà. On met des lunettes de soleil en 2024, qu'est-ce que ça va être en 2050, hein ? Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à saluer donc notre président qui nous a rejoint, Maxime Toubard, ainsi que David Chatillon, le président de l'Union des Maisons de Champagne. Merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, notre Assemblée Générale touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que les propositions faites par mes collègues vous ont plu. Avant tout, je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants pour leur présentation. Noé, Benjamin, Quentin, Thomas, Romain, Clément, Hugo, et surtout Marie-Pierre, qui ont œuvré depuis plusieurs semaines pour vous proposer cet exposé. Merci aux intervenants, aux anciens présidents du groupe des jeunes, Pierre Larmandier, Roger Closquinet, Sébastien Sanchez, ainsi que Hervé Hanin. Merci à l'ensemble du pôle politique et syndical du SGV, et plus particulièrement Lucille et Julie, pour cette Assemblée Générale, mais aussi tout au long de l'année pour l'animation et l'accompagnement de nos réflexions. Un grand merci à tous les jeunes, membres du bureau, du conseil d'administration du groupe des jeunes, qui participent à nos travaux toute l'année. Merci également aux élus aînés d'être présents et aussi pour le débat toute l'année. Merci à la ville de Blancoteau de nous accueillir cette année en cette salle Wagner, ainsi qu'à l'équipe de sonorisation Cazenave pour leur collaboration. Pour finir, merci à mes parents ainsi qu'à Geoffrey qui acceptent de pallier à mon absence sur l'exploitation. Merci à tous. Je souhaite maintenant revenir quelques instants sur nos projections pour l'avenir. Par le passé, nos prédécesseurs à la tête du groupe des jeunes ont déjà travaillé sur des sujets de prospective de ce type. Ce que nous pouvons en retenir, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue les objectifs que nous nous fixons malgré le contexte qui parfois nous pousse à nous mobiliser sur d'autres sujets ou à regarder ailleurs. Alors, quelle est notre vision du vigneron en Champagne pour 2050 ? Les enjeux sont nombreux pour chaque opérateur. La qualité de nos raisins, nos vins, les enjeux environnementaux, la certification, les enjeux économiques et bien d'autres. Mais pour autant, sachons être acteurs de notre avenir, même si l'échéance peut nous paraître lointaine. C'est dès aujourd'hui que nous devons être mobilisés collectivement pour parvenir à atteindre notre ambition. Les sujets ne manquent pas. Je pense tout d'abord à la transmission des exploitations, sujet de préoccupation majeure chez les vignerons, quel que soit leur âge. Nous demandons que le cadre législatif évolue et soit encore plus incitatif. Aussi, nous pouvons intégrer à cette question l'échange parcellaire, qui répond à de nombreux enjeux actuels et futurs. L'impact environnemental, l'optimisation des outils de travail, gain de temps pour les déplacements. Nous sommes prêts à travailler avec l'administration pour que des réponses puissent être apportées dès que possible. Les innovations techniques et technologiques seront des ressources pour répondre aux enjeux environnementaux. La réduction des intrants, réduction des émissions de gaz à effet de serre, demande sociétale et sociale, moins de pénibilité dans les tâches répétitives. Ne regardons pas cela de loin, mais bien au contraire, soyons un laboratoire à ciel ouvert pour que la Champagne continue d'être à la pointe des innovations. Pour nous accompagner dans ces nouvelles manières de produire, nous demandons que les pouvoirs publics nous accompagnent et soutiennent la recherche, l'expérimentation et le développement. Une interprofession forte sera une des clés pour nous accompagner. Par exemple, Canopée, qui devrait nous apporter des solutions variétales pour demain. Autre sujet d'actualité pour notre filière qui va nous impacter, le dossier de la délimitation. Chantier démarré en 2003, celui-ci a déjà suscité beaucoup de travail et d'ambition, mais aussi beaucoup d'incertitudes sur notre appellation, notre image, notre économie, notre équilibre interprofessionnel et surtout notre avenir en tant que vigneron. Aujourd'hui, le groupe des jeunes est dans le flou par rapport à ce gros chantier et cette future prise de décision. L'échéance arrive à grands pas. Pourtant, Maxime, en 2021, tu nous avais dit « on va y arriver, mais là, je vois que ça s'accélère en 3 ans ».
Alors, information et débat sont nécessaires pour alimenter la décision de ce chantier. Tout cela pour notre avenir de viticulteurs. Échéance plus proche, les élections européennes. Nous sachons que le cadre européen est le socle des décisions et d'une grande partie des évolutions réglementaires françaises. Cela nous semble bien loin, mais tous les jours nous y sommes confrontés. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser et exprimer à travers nos bulletins de vote nos ambitions pour l'Europe de demain. Alors allons voter le 9 juin. S'il y a des gens de Vanteuil, vous savez, je paye toujours l'apéro quand vous remplissez votre devoir. Mesdames, Messieurs, vous pouvez compter sur la détermination du groupe des jeunes vignerons de Champagne. C'est ensemble que nous réussirons à nous adapter aux différents enjeux, avec un vignoble uni et qui parle d'une seule voix. Un vignoble et un négoce qui avancent de façon concertée et dans le respect des intérêts de chacun. Avant de te laisser la parole, Maxime, notre président du syndicat général des vignerons, je tiens à vous remercier toutes et tous une dernière fois. Nous voici arrivés à la fin du mandat 2022-2024. Et pour ma part, 13 ans d'investissement au sein du groupe des jeunes du syndicat général des vignerons. Je souhaite prendre un peu de recul par rapport à ce groupe formateur et enrichissant. Je vous invite tous à les rejoindre. Tout cela pour me recentrer sur mon exploitation. Ainsi, je laisse ma place de président à une future équipe qui sera mise en place prochainement. Encore un peu de patience, c'est bientôt. Le nouveau bureau sera élu le 16 avril. Voilà, et encore merci à toutes les personnes qui m'ont entouré durant ces années. Maxime, le micro est à toi. Monsieur le député Charles de Courson, Monsieur le président des Maisons de Champagne, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues administrateurs, j'en ai vu quelques-uns, jeunes vigneronnes et jeunes vignerons, je vous salue toutes et tous en vos grades et qualités. Cher président, cher Guillaume, d'abord, commencer par saluer le travail que tu as fait, alors 13 ans. On a tous entendu que tu mettais en pause quelques temps, mais j'espère, avec, et tu le sais bien, avec grand empressement, que tu reviendras vite. On peut de temps en temps faire une petite pause et puis se dire « je reviendrai dans quelques temps ». En tout cas, merci pour tout ce travail, à la fois au niveau du groupe des jeunes et puis aussi au sein du Conseil, parce que tu as toujours su apporter du débat et de bonnes idées. Donc en tout cas, merci pour ton implication. D'abord, vous dire merci aussi de laisser la parole quelques instants au président du syndicat général des vignerons, qui est un ancien président, comme toi, Guillaume, du groupe des jeunes. C'est un moment important. Le groupe des jeunes a une place particulière en Champagne, particulière au sein du syndicat, vous le savez, pour diverses raisons. D'abord parce que c'est une organisation qui a vocation un peu à remuer, un peu à titiller, un peu à chambouler, un peu à questionner, à secouer un peu les aînés. Et c'est important d'avoir parfois un peu de discussion, de débat. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas, c'est important que le débat ait lieu. Ensuite, parce que vous l'avez dit ce matin, c'est une pépinière et on compte sur vous. Et je vois aussi dans cette salle quelques administrateurs qui sont passés par le groupe des jeunes du syndicat. Et c'est une richesse. Il y a beaucoup de régions qui rêveraient d'avoir un groupe des jeunes qui met un peu le pied à l'étrier sur les différents sujets. Et puis, ça permet de former et puis de préparer à de futures responsabilités un peu plus importantes, en tout cas. C'est une bonne chose et merci d'avoir de continuer et de perpétrer l'importance du groupe des jeunes et la discussion et le débat. Alors oui, je te rassure Guillaume, on a passé un bon moment ce matin, c'était extrêmement intéressant. Je voudrais revenir sur quelques sujets bien sûr. D'abord vous dire que 2050, bah, c'est demain, hein. Il y a autant de temps qui nous sépare entre 2000 et aujourd'hui que aujourd'hui est 2050, donc tout le monde a en tête les années 2000, donc ça va arriver très vite. Donc c'est important que le groupe des jeunes se pose des questions, et on se pose beaucoup de questions à court terme, mais il faut aussi s'en poser à moyen terme. Vous dire aussi que bien malin celui qui est capable de prédire ce qui se passera dans les semaines, les mois et les années qui viennent. En tout cas, c'est quand même malgré tout important de se poser des questions. Alors j'ai bien retenu les quatre scénarios de ce matin, et ils sont à la fois effrayants sur certains sujets, et à la fois possibles, donc... On verra, je pense que vous avez jalonné une partie de notre avenir sûrement sur différents sujets. En tout cas, je pense qu'il y a du vrai et j'espère qu'il y a du faux.
et que vous êtes trompé sur beaucoup de sujets, parce que sinon c'est assez effrayant. J'ai noté aussi des sujets un peu plus particuliers qui vous interpellent, et tant mieux. Alors la révision de l'appellation, bien sûr, vous dites, et tu l'as dit Guillaume, c'est un peu flou. Rassurez-vous, il n'y a pas que pour le groupe des jeunes que c'est flou. Malgré tout, en effet, on aura une position à prendre et il faudra qu'on soit clair dans le flou actuel. Moi, je voudrais solennellement un peu vous dire qu'il n'y a pas de position de prise. On entend beaucoup dire aujourd'hui que c'est fait, hein, que le syndicat a pris une position, que le bureau a pris une position, que... donc il n'y a pas de position de prise. On va avoir des moments de débat, de discussion, et vous serez bien sûr le groupe des jeunes associés, parce que c'est important. L'interprofession sera associée à un moment donné, parce que c'est important aussi, c'est un débat collectif qui doit avoir lieu aussi, même si c'est, en tant qu'ODG, le syndicat qui aura in fine la main ou le doigt sur le bouton. Il faudra que nous ayons des discussions. C'est très engageant pour tous, et moi je l'ai dit il y a quelques jours, c'est sûrement la plus grosse décision que la Champagne aura à prendre ces 50 dernières années, et qui impacte le très court terme, mais surtout le moyen terme. Donc il y aura la place à la discussion, mais en tout cas je voudrais vous redire qu'il n'y a aucune décision qui a été prise à l'heure où je vous parle, dans aucun des lieux et des endroits. J'ai noté également beaucoup d'intérêt sur la capacité professionnelle. Quand on est jeune, c'est un sujet important qui revient à chaque équipe, et je m'en souviens très bien. Quand on est un peu plus vieux, c'est un sujet un peu plus embarrassant. D'abord parce que quand on vieillit, on a des enfants, et la position n'est plus tout à fait la même. Vous verrez pour ceux qui ont des enfants qui grandissent. Aussi parce que quand on fait le... Et j'en discutais avec mon compère, collègue et ami Damien Champy, on est une région qui fonctionne bien. Bordeaux, il n'y a pas de sujet de capacité professionnelle. Donc forcément, on fait des convoitises, des envieux, nos frères, nos sœurs. Aujourd'hui, quand on regarde l'état des lieux de la Champagne, il y a beaucoup de gens, et dans cette salle en particulier, qui ont la capacité professionnelle, qui ont fait des études, qui se sont investis, qui développent leur entreprise. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui ont repris une partie du domaine des parents, qui n'ont pas la capacité pro et qui ne sont pas de mauvais vignerons pour autant. Beaucoup d'entre eux travaillent bien leur vigne. Donc, il faut bien sûr, et sûrement bientôt aussi, se reposer cette question qui est très engageante, très embarrassante, parce que on touche à des choses qui sont familiales, qui sont intimes. Et il y a aussi beaucoup d'installations progressives aujourd'hui, avec des jeunes qui, à 40 ans, reprennent 25, 30 ans, en attendant de reprendre un peu plus. Et ces installations-là, ce n'est pas de mauvaises installations. Donc, c'est le cahier des charges. Donc ça, on a la main là-dessus, c'est politique. Aujourd'hui, je ne connais pas de région qui a engagé cette capacité professionnelle. Moi, je veux bien qu'on en reparle, mais réfléchissons sereinement. Tout le monde rêve d'avoir des gens bien formés. Tout le monde rêve d'avoir, de ne plus avoir de vignes mal faites par des gens qui seraient double actifs. Ce n'est pas si clair que ça, ce n'est pas si tranché. Je nous invite peut-être aussi à remettre le débat sur la table. Moi, je suis complètement ouvert là-dessus, je n'ai pas de sujet. Marie-Pierre, tu as cité une cellule de réflexion. J'ai bien noté. On en a bien noté, c'est important. Alors, on a des cellules de réflexion, il y en a plein. Il y en a partout. On réfléchit tous ensemble. En tout cas, sur le prospectif. Pour terminer, j'ai envie de vous dire que, bien sûr, notre avenir, il s'écrit aujourd'hui, hein, et vous en êtes un espoir important, que regardons ce qui marche bien. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Je crois qu'il faut être optimiste et avoir confiance. Moi, j'ai confiance en notre capacité collective à prendre des décisions bonnes et justes. On a toujours l'impression que, pour beaucoup, ce qu'on fait, c'est très bien, et qu'après nous, ce sera très mal. Il y a sûrement, de par le collectif, de par les valeurs du syndicalisme qu'on défend tous, un collectif fort, la remise en cause de nos idées permanentes. Ce qui compte, c'est d'avoir du débat. C'est pas de penser qu'on a toujours raison, nous, et que l'autre a toujours tort. Donc le syndicat, en tout cas, a la vocation à être le lieu d'échange et de débat. Je nous invite, et je vous invite, les jeunes, après nous, à faire perdurer cette manière de faire. La Champagne est très observée.
partout, parce qu'elle fonctionne bien, parce que son modèle tourne bien. Moi, j'ai confiance pour qu'il continue à bien tourner. Et puis, on a deux positions. Soit on a peur en l'avenir, et puis on voit tout en noir. Soit on se dit qu'il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance. Et puis, quand je vois aujourd'hui la qualité de votre travail, de vos réflexions, je suis rassuré sur notre capacité à faire perdurer cette champagne qui fonctionne bien. J'ai souvent tendance à dire que rien n'est acquis, tout est peut-être remis en cause. Hein. C'est une question de confiance, d'homme, de relation entre les gens. Donc ce qu'il faut, c'est bien travailler ensemble. J'ai oublié de citer Séverine Couvreur, la présidente de la mission UNESCO. En tout cas, on a beaucoup de sujets à continuer. Moi, je vous remercie, je vous félicite. Je vous invite et je vous sollicite à nous titiller un peu plus, quand vous le souhaitez. C'est aussi le rôle du groupe des jeunes. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de continuer les travaux. Je souhaite aussi à la nouvelle équipe de rapidement nous rencontrer au sein du syndicat, parce que c'est avec plaisir qu'on accueillera donc les nouvelles têtes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. C'est une bonne nouvelle. C'est la preuve que le groupe des jeunes vit, propose, discute et intéresse. Donc ça veut dire aussi pour nous sûrement une capacité à mobiliser demain de nouveaux responsables. Donc en tout cas, merci beaucoup. Guillaume, merci à toutes et à tous. Et puis longue vie au groupe des jeunes et vive le président du groupe des jeunes du syndicat. Merci Maxime, merci à tous. Donc maintenant, on vous invite à nous rejoindre à l'étage inférieur pour une petite flûte de l'amitié. Merci, bonne journée à tous.